Pichia, j'ai tué en l'eau mon assassin. Oui, bel bonjour tout le monde. Bel bonjour. Bel bonjour. Alors, jeudi, lundi 18 octobre 2021. Jeudi, un monde qui a collé tête, collé les épaules, et puis les soignants, et puis le milieu hospitalier. Hospitalier. Je t'ai crié au matin, depuis 6h30, tout ça qui était prévenu. En blanc, vini bien en force. Vini bien mouvement encore plus. En pleurs. Alors bon matin, nous là, moun là. Bon matin, moun là, nous là, et puis yo. Et les prises de parole, ça a commencé. Alors bien sûr, pareil, Magadizot. Je sais que tout le monde a travaillé comme moi-même, mais bon matin, tout le monde n'a ni bagaille pour faire, ni choumé, ni l'école, etc. Mais souple, nous, bah ichnou, bah maman, nous, bah papa, nous, bah frère, nous, bah c'est nous. Pas hésiter, venez bah en love, venez bah en pal, venez bah en force, venez pour les têtes, pour les épaules. Non seulement bah les soignants, mais bah peuple Martinique. Parce que combat à la faut que nous gagnions. David qui a parlé, qui a parlé. Le Covid se soigne, mesdames et messieurs. Et je n'ai pas beaucoup de soignants ici, je n'apprends rien à personne. Le Covid se soigne. Il existe des traitements. Les docteurs qui ont fait un traitement Martinique. Ou le bas vous baillez aussi, c'est médecin Marouan. Vous avez sauvé les gens. Vous avez fait ce qu'il faut pour les attraper le Covid. Si vous attrapez, vous gérez. Et ces docteurs, vous aussi, vous avez préparé des bagages, vous avez préparé des documents pour prouver ce que vous avez fait. Pour montrer tout le monde que ce que vous avez fait, il a géré. Combien de monde qui j'ai fait témoignage? Oui, j'ai eu le Covid. Mon point, Zeb, mon point, le médrasier, je n'ai pas eu vermectine, je n'ai pas eu azithromycine. Un exemple, mon capon. Mon camarade Saint-Martin. Saint-Martin, ce n'est pas exactement ces mêmes bagailles-là que j'ai fait. Là, qui ici, là. Il dit, moi, dans ma famille, on vit ensemble. C'est-à-dire, l'enfant, la tante, la grand-mère, tout le monde. Il doit être à 5. Tout le monde a attrapé le Covid. Chaque monde a eu un docteur. Docteur a eu une prescription différente. Chaque monde a tenu un bagage pour point différent parce que le docteur a gardé les antécédents, qui sont tenus, qui maladie ou ni, qui sont au jacapon, etc. Et ils ont tout géré. Parce qu'ils ont fait une prescription, parce qu'on a laissé les soignants de Saint-Martin soigner. Et c'est ça la solution. Pour moi, c'est-à-dire que dire une seule décision pour point et tout ça finit. Pas ni couvre-feu, pas ni confinement, pas ni passe, pas ni rien. C'est de laisser les soignants soigner, tout simplement. Et tout le bagage est fini. Mais ils n'ont pas les feuilles. Ils n'ont pas les feuilles. Alors, il faut comprendre. Il faut comprendre Pucci. Il faut comprendre que c'est qui monde qui a décidé, qui intéresse ces gens-là. Ils n'ont pas passé contrat. De milliards et des milliards, et puis c'est mon nom qui a vendu Pichi. C'est pas l'argent qui a allé là. C'est pas la santé, c'est pas bah moun, c'est pas l'argent. C'est mon qui a bon Dieu qui a créé l'argent, et c'est lui qui a loué. Mais nous, c'est peuple nous qui est important, bah nous. C'est moun qui est important, bah nous. La population. Donc c'est pour ça que nous mobiliser. C'est pour ça que je dis à mon dimanche à descendre. Le front c'est ici. Le chef des Français a déclaré, depuis non, que nous sommes en guerre. Le front c'est ici. Les soldats qui sont au front, ce sont les soignants. Il est partout en Martinique, mais tout partout. À dans toute bagaille, ni en côté. Qui la centrale, ni un côté qui le QG. Si ces soignants tombent, tout le monde a tombé. C'est pour ça qu'il faut que nous là, et puis yo. Bravo. Nous tous là ensemble, jeunes conviés, soignants, transporteurs, moi qui espère que d'autres professions qui rejoignent le mouvement aussi, nous connaissons force toutes ces mounes. Si ce transporteur a dit qu'il a bloqué pays, a bloqué, ça va nous en force. Il y a d'autres qui peuvent nous force aussi. On parle des gens qui travaillent sous le port. On est d'accord?
les gens qui font des contrôles aériens, c'est-à-dire que si on dit pièce avion pas caractéri, pièce avion pas caractéri, et nous tous savons qui mène le virus là qui arrive à Martinique. Encore une fois, ce n'est pas en yol. Ce n'est pas par bateau. Donc, moi j'espère que le mouvement qui prend force, je dis à nous tous en blanc pour les soignants, nous tous en blanc parce que je dis aussi que les habillés en blanc, ces forces répressives là, l'armée, ils ne peuvent pas, ils ont ni du mal à voyager charge dans les mounes, parce que nous ne sommes pas là pour faire la jet. Ils ont voyé militaires derrière nous, mais nous ne sommes pas là pour faire la jet. Nous sommes là pour faire comprendre que nous parlons pièce pitchy, que nous parlons pièce passe ici à Martinique. Est-ce que nous avons dit ça? Est-ce que nous payons? Maza nous pas paix. Martinique nous pas paix. Guadeloupe nous pas paix. La Guyane nous pas paix. Port-au-Prince nous pas paix. CHU nous pas paix. Lamantin nous pas paix. Gomane nous pas paix. Coquelin nous pas paix. Saint-Anne nous pas paix. Marin nous pas paix. Rivière Pilote nous pas paix. Saint-Lys nous pas paix. Verpré nous pas paix. Dicos nous pas paix. Nous disons non! Yes! Voilà, ah ben là-bas, David, un bel coup de main, bel. Alors, ça, là, on va parler de un camarade, d'abord, qui fait chimay, président association, il montrait Valais, Saïté, Karoué, pays, la Nati, ça qui force pays. Moi, il est là, mais on se dit, moi, il soit parti. Est-ce que Gilbert Coutier est là toujours? Ah, il finit parti. Bon, il était pour parti. Bon, pas de problème. En tout cas, Lucas, fallait quand même, camarade Couturier qui était là. Mais non, mais quand même. C'est Rémi Selmet qui prend disposition, qui dit que vous ne pouvez pas attirer, vous ne pouvez pas attirer marché à la commune, à pêcher Yvonne, les plantes naturelles médicinales. Excusez-moi. On peut pas là-bas. Alors, tout le monde a mis la parole. Ici, il y a. Mais ici, il y a une règle et ni un code. Quand là, c'est riche pays, tout ça qui finit des bienvenus. Ici, il n'y a pas en tête. Mais il y a discipline, et puis il y a chaque monde a un code bio, chaque monde a un passage. Camarade Bérissé, on va dire, et puis après, on va dire, merci à vous. Oui, oui, moi pour l'unité, moi d'accord avec le serre, j'ai raison, l'unité. Merci à vous, serre. Pas de problème. Nous à la lune montante. C'est-à-dire que les soignants, les médecins, adorent en énergie et puis la lune montante. Ça veut dire que ils ont mal choisi le moment pour te faire nous descendre, parce que c'est monter, nous pas monter puis les éléments naturels. Là, on va prendre des dispositions pour étudier et puis qui ça on va faire. Eh bien, les moments où nous avons la lune montante, moi, je sais que nous avons fait un combat, que nous avons gagné un combat. Et nous avons gagné, nous avons gagné. Il y a dans ce travail, nous, des choix que nous avons fait, même de l'aile inconscient. Nous, tout là, avons quoi? Que la vie sacrée. Nous toutes, quelle que soit obédience religieuse ou politique, en disant entre nous, nous savons que Ish nous sacrée, que maman nous sacrée, que papa nous sacrée, que frère nous, saint nous sacrée. Et c'est en vertu de ça que nous avons retrouvé comme nous mobiliser pour défendre la vie.
pour affirmer que l'autorité de la vie n'a ni pièce autorité au-dessus de ça. Ou peut gendarme, ou peut policier, ou peut maire, ou peut député, ou peut sénatrice, ou peut la BAC, ou peut Bill Gates, ou peut Macron, ou peut juge dans le tribunal, ou peut journaliste, ou peut trafiquer l'information. La vérité sacrée, qu'elle vire, mais c'est quoi, du bout, tout long, tout long. Parce qu'il y a un bagaille qu'on ne peut pas changer. Ouais, soleil là, regardez le ciel là. La lunette est claire au soir. Regardez qui manière les ancêtres, l'autorité, la vie, la force que nous pas bouger par rapport aujourd'hui. Alors, malgré que vous ouvrez les autres, et ce gendarme là aujourd'hui. Et qui c'est vrai? Et-il samedi? Et-il dimanche? Donc ça veut dire que j'ai dit vendredi, c'était un complot. C'est eux qui complotissent. C'était un complot pour créer les incidents, pour que vous voyez les images, pour que regardez qui manière peut pratiquer retourner contre le personnel soignant. Mais ils ont pas été prévoir que le personnel soignant quitte en bas, qu'il était dans les étages, c'est qu'il voyait les outils en tuyau. Parce que ils sont choqués que le personnel soignant t'a voyé descendre. Eh bien oui, oui, un personnel soignant, c'est d'abord un monde. Et moi, j'ai insisté à un point. C'est eux qui ont défini à la place de nous qui s'acquit l'amour. L'amour, ce serait d'obéir. D'obéir au désordre, d'obéir. Non, on ne peut pas bouer au moins pour définir ce qui est l'amour, ce qui est haine. Faut ou haineux pour fabriquer un virus comme ça. Faut ou haineux pour empêcher les protocoles de soins. Faut ou haineux pour obliger les gens à prendre une substance qui est à l'heure actuelle expérimentale. Faut ou haineux pour tricher sur les chiffres. Faut ou haineux pour dire qu'il n'y a pas de monde vacciné qui est mort. Faut qu'on haine. Et d'ailleurs, ou irrespectueux, parce que ça veut dire qu'on n'a pas assumé que le choix sanitaire, où, c'est un choix de mort, c'est pas un choix de vie. Et moi, je salue les autres, parce que les autres ont choisi tous les jours la vie. Merci un peu. Je fais comme moi des ennemis et puis ça m'a dit là. Excusez-moi, je ne sais pas qui l'intention de moun les cavini policiers. Je ne sais pas qui l'intention de moun les cavini gendarmes. Peut-être que ce n'est pas Doc Chimay qui trouver un pécule pour le mois. Mais quand même, nous n'avons l'impression que les médecins ces uniformes là, que yo pas riche, que yo pas papa, que yo pas maman, que yo pas ni papa, que yo pas ni maman. Il n'y a pas ni femme. Et que le patin est tombé malade. Ça veut dire que le gendarme qui est entré là, vendredi, et puis qui dit au personnel soignant, casse-toi. Là où il est tombé malade, est-ce qu'il faut que nous disions casse-toi de l'hôpital? Donc à un moment donné, ça, les autorités, enfin les fausses autorités, parce que l'autorité est là, je dis. Mais ça va créer les instances décisionnaires, mon préféré dit ça. Préfet, directeur de chum. Mais quand il y a une hiérarchie naturelle, un petit bonhomme, 6 ans, ne peut pas battre un monde qui a 25-30 ans l'autre. Donc il y a un problème déjà dans le recrutement. Mais quand dit ça, non, mais quand je dis ça, ça veut dire que nous avons un problème. Nous avons un jeune petit bonhomme carriériste qui s'en foutait pas mal du personnel là, et qui a oublié que ce n'est pas en direct qu'il a fait l'hôpital, mais que c'est le sang du personnel qui a fait l'hôpital.
C'est pas un directeur qui a les bas malades, qui a soué le monde, qui a soulagé, qui a coûté. À la limite, l'hôpital là peut fonctionner sans directeur, mais ne peut pas fonctionner sans autre. Le monde n'a pas tenu matériel dans la première vague. Il n'y a pas de monde qui a mis sa poubelle. Pas ni un cluster qui déclarait dans l'hôpital Zobda Kitman. En bel ou nous, bravo, Bazo. Et puis, on a fini par cette leçon sur la manière de soigner. Et juste ni, on m'a dit, en période pédagogique, pour vous expliquer la non-dangerosité de cette piqûre. Alors, on nous est franc et puis qu'on nous. Est-ce que Zotzar ou un moun pitié en disant qu'il mort ou qui est hospitalisé? Est-ce que moun qui prend pitié à s'arriver aux urgences, s'arriver à l'hôpital? Oui ou non? Oui! Oui. Bon, ça veut dire que là nous dans la vérité. Ça veut dire que il y a moun qui prend pitié à mort. Il y a moun qui a attrapé le corona à mort. Oui, ça veut. Mais quand même, hier, quand il y a 11h30, je discuté avec Adam et puis un ambulancier. Adam, en commerce de proximité. Je vais vous dire ça. Un ambulancier qui a dit moi que, au mois d'août, la majorité de monde qui a transporté, c'était des monde qui te prend au minimum entre. Alors, je malheureux parce que ces familles-là, parce que c'est mon qui préfère ça. Parce que nous ne pouvons pas retenir les leçons de l'histoire. Ça veut dire que depuis que ces messieurs qui ont proposé en solution, ce n'est pas en solution, c'est en destruction. Donc, moi, depuis l'affaire du Cloud Econ, je dis ça très clairement, je sais que pièce ces instances-là, pas fait aïe par moun, je fais des bagailles pour prendre contrôle moun, pour diriger moun, pour faire en sorte que nous venions docile. Et, je vais rendre hommage à l'association AMSES des médecins qui a fait des études qui ont prouvé que Adam Mangea, Adam Sayoka Banoupe, Adam Léola, nous avons mis des substances pour que justement nous marchions tout simplement à quatre pattes et puis faire oui, bana, oui, bana. Oui, bana, oui, bana. Et bien, je vais saluer un bagaille qui est fondamental. Je fais sida nous là. Je fais zika nous là. Je fais chikungunya nous là. Je fais la dengue nous là. Je fais fabriquer des maladies nous là. Je fais, je dis ça. Parce que, il y a des gens, c'est plus vaccin que je attrape des problèmes depuis l'enfance. Parce que tu mettais aluminium, etc. dedans. Ce que ça m'a dit, c'est que nous n'y a pas rien dit dans notre et nous qui a chassé ces baguettes-là. Mais surtout, nous n'y en l'esprit d'intelligence. Et moi, les 6 années que nous toutes là, nous c'est en non seulement des intelligences, nous c'est le reflet d'une intelligence supérieure et qui y a parlé intelligence ta, qui a toujours dirigé nous, guidé nous vers le bon sens, vers les bonnes décisions. Et c'est là, je vais parler au nom du mouvement nous créons Moun. M-U-N. Pouti. M-U-N, ça vient des profondeurs de l'origine de l'humanité. Et ça veut dire être sacré, connecté à tous les éléments visibles et invisibles. C'est un héritage sacré les ancêtres qui t'ont banni. Et ouais, puis ancestralité t'as là, chaque clair en temps bouffette, c'est pas en la bombe. C'est en énergie. Regardez qui manière qu'à assembler moun. Regardez qui manière qu'à permettre moun samedi, tchèbe depuis 8h. Pour JIC 18h, 18h30. Ça, c'est des instruments que là, nous avons marché.
et nous avons battu paupières nous, et nous avons parlé, et nous avons gardé yon à l'autre. Tant pour qu'a raisonné, qui pour qu'a raisonné, c'est-à-dire, tant pour romain qui fait qu'il caché en chemin liberté, eh bien, chaque l'air m'a gardé le personnel soignant, chaque l'air m'a gardé un aide soignant, chaque mois m'a gardé un médecin qui courageux, oui. Mon kawé Romé, oui, mon kawé Lumina Sophie, oui, mon kawé Jeanne Mona, oui, mon kawé France Fanon, oui, mon kawé César, oui, mon kawé que nous capables d'organiser comme nous pour affirmer en humanité solidaire, en humanité qui envie ou monde bien, qui envie ou monde Jerry, pas qui envie ou monde mort, pas qui envie trafiquer, pas qui envie manipuler, en humanité d'amour. Et l'amour, c'est en force. Alors, ma kawé répéter. Ça fait le buzz. Mais personne n'a pas fait l'amour sans ni force. Il faut donner ni force pour faire l'amour. Donc l'amour, c'est en force. Merci en pile. Respect et l'honneur des autres. Et peuple Martinique a une dette envers autres. Nous avons une dette envers autres. Pas depuis 2 ans. Ça fait l'année que nous avons gourmé pour les conditions de travail. Pour matériel, pour personnel. Personne ne peut pas marcher à l'arrière épisode. Ça ne peut pas gréver, ça ne peut pas marcher pour dénoncer les conditions, etc. Le peuple là, tout le temps, quand il ne peut pas fuir, il ne peut pas comprendre. Alors, le peuple là, il y a des envers les autres, et le peuple là, obligé de marcher quand c'est un épisode, je dis. Force. Ok, merci, bonjour tout le monde. Bon. Philippe t'es parti, t'es dit, mais fait animation entre temps. Comme il arrivait, mais avant mon arrivée, animation, m'a pas très long, simplement. C'est le choix d'être ici là ce matin, c'est simple, hein. Tous les matins qu'on passait, on voyait que c'était un lieu d'occupation par rapport au véhicule. Et qui devrait être un lieu de débat, puisque nous voyons des cas passés, donc un lieu où les patients devraient descendre pour accéder à des soins. Donc c'est pour ça que nous avons fait le choix d'être là, pour montrer que ce n'est pas un lieu d'occupation, c'est la gendarmerie n'a pas sa place là. Deuxièmement, concernant, je vais réfléchir pour dire, mais à mon parti, devant moi, c'est pour ça que je n'ai pas crié, mais je peux couper parole, mais puis bon, la parole là même, je n'ai pas très long. Simplement pour dire, anti-réflexion, il faut que nous réfléchissions à quel point ces gens-là décident que Jodia est disposé de connu sans m'en de nous pour faire expérience en l'air. Chama est donc grand monde nous. Et c'est ce qui est encore plus dramatique, c'est le fait qu'ils ne nous demandent pas la permission et ils s'octroient le droit d'avoir notre corps pour faire des expériences. Et ça, on ne peut pas accepter ça. Si on accepte, ça veut dire qu'on sera plus libre. Si on perd notre liberté de notre propre corps, on n'aura plus rien. Et c'est pour ça que je tiens à féliciter les autres. Je suis toujours une trop. Il y a l'eau, maillot blanc, mais on est un peu éparpillé. Et si on était massé, ma sable soleil là, il aide. Mais de temps en temps, il faut qu'on apprenne à faire un bas soleil là, parce qu'il y a des gens qui font un bas soleil là pour nous vivre. Donc, c'est à nous sembler. Et c'est ça, maintenant, comme message. Réfléchis bien, est-on prêt à vendre, à laisser prendre notre corps pour que ces gens-là puissent mettre au point et nous injecter dans les années à venir des technologies, parce que c'est bien ce qu'il s'agit là. Ce n'est pas de la santé humaine. L'humain, ils n'ont plus rien à faire. Ça, c'est bagaille business, comme Madla dit. Il faut que nous résistions à ça. Quand Madla qui te les prend la parole à Macabordi, merci beaucoup. Ben, bonjour tout le monde. Il a dit de prendre la parole devant moi. Mais Macabordi, c'est notre première mois d'être là. D'être là pour qui ça? Parce que nous parlons que le peuple là, divisé. Nous parlons que les ça qui est vacciné, ça qui n'est pas vacciné, c'est quand c'est bagaille ça là. Moi content que vous êtes là aujourd'hui, hein. Moi content que vous êtes là la semaine dernière, mais mon petit brin fâché, épisode. Mais moi quand je concilie vite épisode. Maman, c'est pas parce que vous êtes obligé de vacciner que vous êtes actuellement, vous êtes goumé. Faut que vous êtes goumé avant. Maman,
Il y a monde qui allait là au port, qui allait au port, dit qui ça qui a fait, pour qui sa situation talentée là. Il dit nous non, ce sont des sauvages, ce sont des rouges verts noirs. Moi pas rouge vert noir. En ce moment, ma matinée, qu'on soit toutes. Mon papa dit que je suis un infirmier. Mon papa dit que je suis un infirmier. Mon papa dit que je suis un médecin. Non. Mon papa dit que c'est moi-même matinée qui là. Ok. Donc, c'est celle baguette, moi, c'est les petits autres là. On nous parle, on les baguette là, ouais, les rouges verts noirs ont fait. Les rouges verts noirs n'ont pas fait. Ils sont violents, ils ne sont pas violents. Mon maï. Regardez, puis violence en yovinité, qu'a tué les autres là, vendredi. Bravo. Nous foutons à qui moi j'en ai tout votre. Nous foutons à qui moi j'en ai tous les soins et les malades là qui étaient là. Ah, c'est pas de la violence. Ah, c'est pas de leur faute, ils savaient pas, etc. Et puis là, on peut aller monter l'ARS, explication. Faut t'écouter, les amis. On ne va pas reprocher les autres. Aïe, mamaï. Mais actuellement, quand nous croyons qu'on combat, arrête. Actuellement, quand nous croyons que c'est difficile, vendredi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas soignant, je ne suis pas infirmier, mais par contre, j'ai un problème de la prostate. Donc c'est ici que je suis venu. D'accord? Je suis enragé. Parce que maman, c'est pas actuellement que le bagage est arrivé nous pour nous prendre conscience de ça. Ce n'est pas parce que maintenant on veut vous piquer qu'il faut vous dire ah oui, mais parce que on veut me piquer, parce qu'on veut me retirer de l'argent, parce qu'on veut me ceci, parce qu'on veut me cela, que je vais me battre pour mon peuple. D'accord ? Il y a cette dame-là, je parle de toi. Elle sort de 7 ans aujourd'hui. Elle a des rendez-vous. Elle est venue quand même ici vous soutenir. Elle est venue quand même ici vous soutenir. D'accord ? Elle est venue quand même ici vous soutenir. Parce qu'elle sait tout simplement que c'est le peuple. Vous êtes infirmier, vous êtes le peuple aussi. Et on a besoin de vous comme vous avez besoin de nous. Parce que vous êtes Martiniché, vous êtes Guadeloupéen, vous êtes Guyanais, vous êtes toutes calte bagaille. Donc, maman, les nous quand on a des mon café, ça n'a pas qu'à fermer, ça n'a pas qu'à plein nous. Excusez-moi du terme là, mais fermer, j'en saute. Pas mettez à vie. Pas mettez à vie, parce que ça c'est de la division. Ça c'est de la division. Vous demandez ici aujourd'hui, parce que c'est votre problème aujourd'hui, que le peuple soit là avec vous. Je suis là avec vous, les amis. Qui m'a tenu problème, qui m'a pas tenu problème, la partie est même mort. Il est mort parce qu'il était à travailler en barbonne. Parce que moi, ça, ça, j'ai fait là, c'est important pour nous. C'est important pour moi, c'est important pour ça, et c'est important pour ça qui est arrivé à aider. Donc, moi, je suis content pour les autres là. Mais mon maï, on ne peut pas oublier que ce n'est pas parce que la baguette n'a pas qu'à concerner les autres, parce que nous, ça, savons que c'est un maillon sans chaîne. Là, on prend nos plans d'école, c'est les autres qui ont récolté la baguette là, c'est les autres qui ont soigné les gens là. Là, on prend empoisonné nous, et puis ça, on va nous manger. Attention. C'est les autres qui nous vendent, c'est les autres qui carouent. Hein. Donc, maman, ça manque à 10 autres. Quel que soit le mouvement qui se passe, vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe, c'est pas grave. On a le droit de ne pas être d'accord. Par contre, la meilleure des choses à faire, c'est de fermer son clapet et de laisser ceux qui doivent se battre, se battre. D'accord ? Je vous remercie. Par contre, je voulais juste dire à la petite dame qui s'est garée, et je lui ai dit ça à nombreuses reprises, sur la place handicapée, elle est venue ici pour soutenir le mouvement. Je pense qu'elle doit être infirmière. Elle s'est garée sur un emplacement handicapé. Non, pas d'accord et tout ça. Non, pas d'accord avec ça. Donc, madame, le qui mettez quoi? Donc, la petite dame que j'ai repris à 4-5 reprises en lui disant qu'elle s'est mise sous une place handicapée. Madame, si tu peux retirer ta voiture de la place handicapée, ce serait une très bonne chose pour le fait que tu sois venu ici, parce que tu es venu manifester et le fait de respecter aussi les personnes qui sont handicapées. Mamaï, je vous dis encore une fois, regardez, on a appelé deux camarades à vous vendredi. Il y avait qui encore devant le poste de police? C'était toujours les mêmes.
ce qu'on critique, ce qu'on appelle RVN, rouge, vert, noir, etc., etc. Je ne suis pas rouge, vert, noir, d'accord? Je suis un Martiniquais qui revendique sa martiniquarité. Je ne suis pas un drapeau, d'accord? Le Français qui va venir avec son drapeau bleu, blanc, rouge, vous n'allez pas l'appeler bleu, blanc, rouge. Donc je ne m'appelle pas rouge, vert, noir, d'accord? Je suis un Martiniquais comme vous-même, hein, qui a envie que son pays avance, qui a envie que quand vous qui avez conscience du fait qu'on met des protocoles pour pouvoir tuer nos aînés, etc., eh bien, qu'on remplace, qu'on fait venir des gens de 8000 km pour pouvoir vous remplacer, pour pouvoir faire en sorte d'aller vers, encore plus vers le génocide, eh, d'accord, il faut aussi vous battre pour ça. Parce que Baguette a commencé depuis non, Mamaï. C'est depuis non, Baguette a commencé. Et encore, m'entendre dire. Il y a encore à 8000 km. Donc, Mamaï, c'est tous les jours pour nous, pour Goumen. Tous les jours. Nous savons que la bagaille n'est pas facile. Donc, il y a 10 anti-bagaille. Le 3 autres, ni là, c'est pas en violence d'après autres. Qui m'a venu pas autres. Pour nous, à l'Aïsé, qui m'a venu pas autres. Assurance, non, c'est pas en violence. Qui m'a venu pas autres encore. Les autres, ni en pièces détachées. Qui m'a venu encore pas autres. Donc ça c'est de la violence, Mamaï. Ça c'est de la violence. Tous les jours on voit la violence. Tous les jours on voit de la violence. Donc n'attendez pas s'il vous plaît. N'attendez pas s'il vous plaît que ce soit parce qu'on veuille vous piquer, parce qu'on veuille ne pas vous donner d'argent que vous voulez vous battre. Non, c'est tous les jours qu'il faudrait que vous vous battiez. Et juste une autre chose, on nous arrête de crier mon chabin, on nous arrête de crier mon chabine, on nous arrête de crier mon mulâtre. Je te dis maintenant que ça n'a pas fait partie du combat, mais toutes ces quatre baguettes là, qui a fait partie du combat nous. Parce que c'est les termes qu'on emploie aussi, hein, c'est les mots qu'on emploie aussi, qui font que de l'autre côté, le colon nous colonisera toujours. Je ne suis pas capable de créole, je ne suis pas capable de martiniquais. On ne parle qu'à parler guadoupéen, on ne parle pas guadoupéen, etc. de choses. Donc c'est un panel, Mamaï. C'est un panel bagay que nous avons fait, hein, pour conscientiser les gens et pour faire en sorte que tout le monde est uni. Nous savons très bien que par éducation, nous savons très bien parce que nous vivons un tel endroit, que nous n'y avons l'autre manière pour parler bagay. Nous ne pouvons pas être unis, nous ne pouvons pas être d'accord sur tous les sujets. Mais Mamaï, si nous pas ni à rien pour dire, si nous voulons que le baguette là, nous n'en kamene yon, pas bon ba nous, on nous fait main, tol nous. Point bon. Maintenant, juste base de information qui est important. Pour yon contre les autres, vigila, il peut pas faire. Si il n'y a pas fait un avenant, alors contre le travail, lui. Lui-même manière que il a demandé QR code, faut une taille. Et ça qui passe vendredi, ces gendarmes n'ont pas montré que le tenu passe. Il faut que chaque gendarme tenu un passe pour entrer dedans. Parce que si vous avez un si demain matin, il y a un cluster qui fait, à partir de vendredi, c'est vous. C'est vous. Il y a une habilitation du directeur. Et faut pas oublier que Vigila, faut qu'il y ait une habilitation dimanche signée du directeur le jour. Et faut qu'il présente lui chaque année. C'est réglementaire, c'est-à-dire à Dambay et Loi et voilà. Donc en réalité, il y a dans l'illégalité depuis le début, quand il a commencé à contrôler les gens, si ils ont pris pas, si ils ont pas ni passé. Ils ont illégalement fait. Et vendredi, ils ont mis la sécurité sanitaire du CHUM en danger. Faut que tout le monde comprenne ça. Hein. Ça veut dire que moi, des gendarmes sans masque, moi, des gendarmes sans casque, et personne ne passe si ils sont vaccinés, pas vaccinés, etc. Donc ça veut dire que les gouvernements qui ont fait ça, ils ont fait ça. Autre chose, j'ai entendu ça à faire.
m'a pas vacciné. Donc moi, je m'a pas qu'il jamais vacciné. Bon. Mais j'ai entendu ça à faire, j'ai entendu moi l'épinière à faire, j'ai entendu, j'ai rien à donner. Où l'est-ce que vous parlez? Où l'est-ce que vous parlez? Ah bon? Donc c'est là nous que c'est une vaste comédie. C'est une vaste comédie. Et puis, quand même, au début, même pas on mis les personnels soignants, parce que nous ni les échos. Hein. Il y a l'eau qui était pour Pitya. Mais nous attendons de moins en moins. Pouti, effet secondaire, disparition de menstruation. Disparition de menstruation, dérèglement de menstruation, zona, problème de sommeil, etc. 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 Donc, ça m'a dit, c'est que les nous en monde qui a contrôlé nous, il y a un vigile qui est venu nous, l'hôpital au François, et parce que je me dis, mais fais quoi je laisse mon nom, mais si c'est mon nom, machin, les mains, qui t'y a passé, puisque il n'y a pas ni habilitation, il n'y a pas ni avenant à un contrat là, qui a permis de faire ça. Et il faut que vigilant lui-même signe qu'il a accepté de faire ça. Donc ça est important, parce que quand on met pression là nous, en toute illégalité, mais comme nous ne savons pas, nous ne pouvons pas enseigner comme nous avons machin ça. Donc, quand il est basé sur l'information, tu as quitté ce moins. Très important. Merci. Bien, alors, mesdames, le micro a ouvert. Si ni maman qui n'est pas la parole, nous n'avons pas rapproché quoi, yo, nous avons la parole. Sur les latins loin, je ne sais pas si on dit du bout de bois. Je parle à l'homme, pas de monde à l'homme aujourd'hui, nous n'avons pas vitamine D, alors nous, à nous, étant soleil là. Et puis nous allons échanger. Alors, micro a ouvert. Les camarades qui déposent un témoignage par rapport à ça qui fait vendredi, Zot Pévini, micro a ouvert. Alors, camarades qui disent, bah quoi, moi, je suis venu, mais maintenant, je suis venu. Moi, je suis venu. Regarde-moi, oui, alors, maman, je vais répéter ça. Hein, nous, on est en placement hélicoptère CHU. Alors, il y a un camarade de Banquier Chéouana qui n'est pas la parole, mon camarade. J'ai prise de parole. Camarade, je t'ai appelé tout à l'heure, mais tu t'es absenté. Reviens, après c'est toi. Pas hésiter, prise de parole. Chéouana, belle la main, maman. Oui, bel bonjour tout le monde. Alors, moi c'est Chéouana. Ici, mon papa là en nom, parce que je vais représenter les insoumis qui sont en Martinique. Et c'est en nom, je vais parler de lui. Ah ouais. Mais il y a l'autre qui a circulé pour voir si ni mon ici ou pas. Alors là. La liberté, c'est un bel bagage. Faut libre d'y faire ça ou les. Ni moun qui libre d'y faire quand vous vaccinez si vous les. Et ni moun qui libre d'y pas prendre vaccin si vous les. C'est une question de foi. Vous ne pouvez pas obliger moun de faire ça, vous pas envie de faire. Par contre, le pass sanitaire, ça s'en va qu'à bonager. Alors, mon pâté là, mon pâté né. Papa, moi, pâté né. Grand-papa, moi, pâté né. Mais, ailleurs, moi, t'es là. L'ayant mandé, papier affranchi pour y peut circuler librement. Puisque avant, il était esclave. C'est même genre de papier que vous commandez nous, présenté en QR code. Ça, c'est va qu'à bonager. Nous pas esclaves encore, nous pas les papiers tard, nous pas les passes, le pass ne passera pas. Deuxièmement, alors, nous t'es qu'à penser que le bon sens t'es qu'à y arriver en tête de ces mounta là ici,
Ça qui fait jeudi, vendredi, l'hôpital là, c'est en ignominie. Ou peut pas mettre un hôpital en état de siège, en état de guerre, à un moment où ni moun qui malade. Ça s'en va cabonagie. C'est un moyen de faire un génocide, quelque part. Alors, il y a un monde qui dit ça, Taléa, mon conseiller Olivier. Otio, il y a bien ouais comme manipulation quand il te les fait. Enlève-nous pour dire nous que les soignants ceci, les soignants cela. Non? Ou investir en l'hôpital, ou qu'à promener en pays conquis. Sans côté occasion un monde, tout partout, pâté, ou qu'à passer en l'arrière, ou qu'à avoir silence hôpital. Et puis là, on va mettre la lacrymogène dans les mounes. Ou pas, on y a un équipe à caler. Heureusement, je dis à yon, était bon caillou. Parce que ça n'est pas normal. Parce que moi, mon pâté là, m'en gardé ces images-là. Je dis, mais ça qu'a fait là. Qui manie les forces de l'ordre, vini les forces du désordre. On n'en veut pas. La police, ça doit être des gardiens de la paix. Et ici, à yon, pâté, vini faire la paix, yon, vini faire la Dieu. Alors, nous qu'à soutiennent le personnel soignant pour une raison fondamentale. Je dis, vous n'êtes pas une ligne de défense ici, en Martinique. Vous êtes notre seule ligne de défense. Parce que si vous n'êtes pas là, nous toutes qui toutes. Alors, nous toutes des autres, parce que nous ne pouvons pas faire autrement. Sinon, il y a qu'à prendre nous l'un après l'autre. Si zot tombe, nous allons tomber condomino. Alors nous allons tout faire bloc pour tchembe zot. Pour que les soignants puissent soigner. Pour que les médecins puissent prescrire. Et pour que les pharmaciens délivrent les prescriptions. Quand ils n'ont pas dit non, je ne vais pas faire prescription parce que ceci, cela. Qui va cabonager ça? Ils vont en papier. Ils vont servir mon nom. Quand servir mon nom, c'est un docteur qui paye. Ou docteur en pharmacie ou pas docteur en médecine? D'une aberration totale dans ce pays. Donc, c'est pour ça que nous avons pris une position ferme, définitive. Déjà, nous avons toujours été contre le pass. Mais ici, nous demandons fermement à M. le préfet, puisque c'est lui qui a représenté M. le gouverneur ici, hein, de lever toutes les obligations de pass ou tout ce qui a rapport avec cette histoire de Covid, parce que nous pas créé Covid, nous menons les banous. Nous avons ouvert l'aéroport, nous n'avons pas attesté les gens. La transat qui arrivait, préparez comme ça, hein. Cinquième vague là, c'est transat là. Préparez comme ça, hein. Commencez à prendre une vitamine, parce que vous avez un travail, hein. Parce que nous avons ouvert bah, là, pour ces gens venir, pour yo venir, bah nous, Covid, et puis ils ont dit, ce sont les non-vaccinés qui en transportent. Non. Les non-vaccinés, ils n'ont pas tenu à rien. Je me suis dit, 2019, 2020, début 2020, nous étions là, nous n'avons pas tenu à rien. Mais ils ont fait bateau rentrer. Ils ont mené un Covid et nous. Alors que vous êtes là, vous n'avez pas tenu masque. Ah, oui, pas tenu. Vous n'avez pas tenu sur blouse. Alors, ni qui prend sa poubelle. Pas tenu Charlotte, pas tenu à rien. À un moment là, yo pas ramené 10 autres, présenter un QR code, présenter test bagaille, faites test pour d'autres rentrer à l'hôpital. Yo dis autres, soin. Ça l'autre fait, d'autres soin, d'autres fait travail, d'autres. Je dis, joue, yo pas 10 autres, faut d'autres montrer pas de blanche pour rentrer à l'hôpital là, pour faire travail, d'autres. Mais si d'autres pas rentrer, qui m'ont soigné, c'est pas directeur. Tu as été en contact. Papier, ça signé seulement. Chaque lui surtout, il a signé pour lui. Mais à part ça, il va faire, hein. Donc, c'est pour ça que nous disons, tiens, Béret, maman est là. Peuple là, l'épisode, parce que n'y a l'autre monde qui là, qui pas qu'à dire rien. Moi, je comprends, yo père. Mais yo bien content de trouver monde qui a fait résistance, bah yo. Parce que yo savent que si pas ni monde qui a fait résistance là, bah yo, yo qui peut faire plus tard. Alors, maman, nous l'épisode, nous là pour bas autres force là. Et de toutes les façons, faut que vous savent que nous avons communiqué en ce sens là. Vous dites c'est pour arrêter pas cabonnage, quittez les autres, faites travail les autres. Parce que ici, ce n'est pas Kaï Macron. Ici, c'est Kaï Martinique. Et tout n'est qui là, certes,
Nous sommes des descendants d'esclaves, mais pas n'importe qui esclaves. Esclaves qui survivent la traversée, esclaves qui survivent le marronnage. Nous sommes des descendants des survivants. Faut cela nous ni. À nous dit faille sortir. Merci. Merci, mon là. Merci, ma camarade. On a un bel là, mon maïmé. Vous êtes passé en collègue. Non, pas venu, mais c'est avant que tu aies demandé de venir. À Nichile. Là aussi, on va attirer encore. Depuis une fois, on va attirer. Alors, mon maïmé, la commune timide, pas régime, non, mais veille, veille. C'est tout, là. Honnêtement, je ne sais pas si vous allez m'entendre parce qu'en général, je ne parle pas trop. Excuse-moi, je me mets là. Très honnêtement, ça fait des mois. Ça fait des mois que je vis au travail à reculons. Depuis le début de. Du contrôle, j'ai réussi à rentrer à l'autre travail. On n'entend pas, on n'entend pas. Viens là, rapproche le micro près de toi. Mais rapproche le micro. Ça fait. Donc, vous m'avez entendu jusqu'à maintenant ? Oui, ça va. Je ne répète pas. Et donne-moi un petit peu de parole. Je disais que ça fait des mois que je vis au travail à reculons. Depuis lundi, où les contrôles sont entrés en vigueur, j'ai réussi à entrer. Donc je suis allée travailler. Mais la vérité qu'on ne dit pas, moi je l'ai vu. Je suis technicienne de laboratoire. Concrètement, j'ai vu des choses que malheureusement, il nous est interdit de dire aujourd'hui. Elle ne peut pas. Rapprochez-vous. Alors, régime va rester là avec moi. Nous ne pas changer à Paris. Je recommence à zéro. Donc ça fait des mois que je viens au travail à reculons. Je suis technicienne de laboratoire, j'ai eu à constater des choses par moi-même. Des choses qui nous est interdit de dire aujourd'hui. Juste depuis lundi, j'ai réussi à entrer, à aller au travail. Seulement vendredi, à un moment, j'ai voulu sortir et pour voir, pour ne serait-ce que pour participer un peu à ce qui se passait à l'extérieur. Parler avec des collègues, parler avec des représentants syndicaux. Et au moment où j'ai voulu rentrer, impossible de rentrer. Certes, on a mis des vigiles, on a mis une société de vigiles qui a été payée par le CHU. Et en même temps, des gendarmes, des policiers. Et quand jeudi matin, je suis arrivée, j'ai vu deux policiers partir, passer devant ma voiture. Armés avec gilets pare-balles, etc., etc. La tenue de CRS, je crois que j'aurais pu faire un arrêt cardiaque sur place, dans ma voiture. Parce que je me suis dit, regardez la quantité de dealers, de voleurs, de malfaiteurs de toutes sortes qui sont dans les rues, de terroristes qui sont partout en France. Aujourd'hui, à l'hôpital, on nous envoie des policiers armés, mais armés, lourdement armés. J'aurais pu faire un arrêt de cœur sur place. Voilà la réalité. Malgré tout, je suis quand même allée au travail. Mais j'ai dû me battre pour avoir un poste, parce que je n'étais pas prévue au planning. Je disais que vendredi, quand je suis sortie, j'ai pris une pause. On a droit à une pause déjeuner. Moi, j'ai pris ma pause pour sortir.
Et après, impossible de rentrer. Donc, j'ai appelé le service, j'ai dit que c'était impossible de rentrer. Et j'ai assisté à des trucs pas possibles, quoi. Il y avait des collègues comme moi-même qui étaient passés le matin, qui avaient leur tenue de travail, mais les forces de l'ordre leur interdisaient de re-rentrer dans leur service. Comme si on est des voleurs, comme si on est, je sais pas moi, mais c'est pas possible. Donc, après, vers 14h, 15h, j'ai commencé à assister à ce qui s'est passé près du bâtiment des urgences. À voir les forces de l'ordre s'affronter avec moitié la population, moitié les soignants. Je crois que j'avais l'impression d'être dans un film d'horreur. Et je suis entrée chez moi, mais complètement défactée. Mais j'ai dû appeler le service, je devais travailler le samedi après-midi. Je leur ai dit, je ne crois pas que je serai en mesure de travailler samedi après-midi. Tellement j'étais, vous ne pouvez pas vous imaginer dans quel état j'étais. Je suis rentrée complètement HS chez moi. Heureusement, je suis chrétienne, je suis croyante. Et aujourd'hui, si je suis debout, c'est par la force de la prière que je fais quotidiennement. Parce que sinon, je ne serais pas là aujourd'hui. De ce que je vois, de ce que je sais et que je ne peux pas dire, de ce que les médecins dénoncent et qu'on les emprisonne ou on les met pire en hôpital psychiatrique, je peux plus. Le pire, c'est que ça serait Marine Le Pen qui serait au pouvoir, qui est Front National. On aurait on a voté Marine Le Pen. C'est peut-être normal ce qui nous prenait. Seulement moi, j'ai voté Macron. Je fais partie des gens qui ont voté Macron. Vous imaginez dans quel état je peux me trouver de voir les décisions qu'il prend aujourd'hui? Moi, je suis désolée, c'était un beau parleur. C'était quelqu'un qui a su convaincre la population de voter pour lui. En plus, étant croyante, étant chrétienne, il a dit qu'il s'est fait baptiser, qu'il a fait sa confirmation, etc. Tu t'imagines que tu auras quelqu'un qui sera un bon dirigeant. Pas quelqu'un qui aujourd'hui essaie à tout prix de faire passer une injection même aux enfants, sachant qu'elle est mortelle. C'est la réalité. Donc, qu'est-ce qui se passe au labo? Au labo, la majorité de mes collègues sont vaccinés. Ce que je vois, je me dis que peut-être qu'elle ne le voit pas. Faut dire la vérité. Autre chose, avant de continuer sur ça. Pareil, j'ai eu à subir du harcèlement dans un ancien service. Et comme d'autres collègues, Monsieur Garel a été un homme extraordinaire pour nous sortir de situations de harcèlement. J'ai du mal à comprendre son comportement aujourd'hui. Je me dis, est-ce que c'était du cinéma qu'il faisait avant? Est-ce qu'il est réel aujourd'hui? Je ne comprends pas, je suis perdue. Un agent de la reprographie pour le syndicat est demandé. Un agent de la reprographie est demandé par le syndicat. Où j'en étais, je sais plus. Donc, franchement, c'est... Monsieur Garel a tiré bon nombre d'entre nous qui vivaient des situations difficiles au travail. Il les a sortis, il les a accompagnés. Aujourd'hui, je ne comprends pas. Quand je vois la police débarquer, je suis perdue. Je ne suis pas en mesure de travailler aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rendez compte, si vous n'êtes pas vacciné, vous êtes suspendu.
Si vous demandez un arrêt de travail, vous n'avez pas droit d'être payé sur votre arrêt de travail, malgré que vous ne sentez pas bien. C'est grave ce qui se passe. Je ne sais pas si la population, quand j'en ai parlé, j'ai pas l'impression que la population paye en plus. J'ai pas l'impression. Aujourd'hui, beaucoup de depuis 2020 et le début de la crise Covid, beaucoup de gens ont souffert financièrement. Les commerçants ont souffert, les restaurateurs ont souffert. Tout le monde souffre. Comment ils font pour tenir le coup, je ne sais pas. Aujourd'hui, nous, les fonctionnaires qui faisons plus ou moins vivre le pays, parce que c'est la réalité, les fonctionnaires ayant un salaire, même quand ils n'ont pas d'argent, on leur permet d'être à découvert et puis on leur permet de... Donc je disais que nous les fonctionnaires, quelle que soit notre situation financière, on nous permet de vivre. Tu peux être à découvert, tu peux ne pas avoir d'argent du tout sur ton compte, mais tu peux acheter. Voilà, parce qu'on sait que tu as la sécurité dans l'emploi. Aujourd'hui, cette sécurité de l'emploi nous est supprimée purement et simplement parce qu'on refuse de se... une injection qu'on sait, parce que personnellement, j'ai perdu du monde du fait de la vaccination. J'ai perdu de la famille. À un moment, j'ai passé mon temps à aller à l'enterrement. Et tous ces gens-là, ce n'étaient pas des gens qui sont morts du Covid, qui n'étaient pas vaccinés, c'était des gens vaccinés. Bravo, bravo madame, merci. Merci. J'ai du mal à le dire parce que j'ai plein de collègues que je connais qui sont vaccinés. Je ne sais pas. Alors, les gens ne sont pas forcément morts du Covid. Je pense que les syndicats se battent depuis des années. Alors, quand on nous a présenté le projet du NPT, moi, j'étais à la réunion. J'ai fait partie de cette réunion. Il était question, après la constitution du NPT, de consolider les bâtiments actuels de PZQ et de les rendre aux normes antisismiques actuelles. Où est passé ce projet? Moi, ça m'est arrivé parce que j'étais dans un service avant où je devais aller entre plusieurs locaux du service. Donc, j'étais amenée à côtoyer des usagers de l'hôpital. Il m'a demandé d'aller aux toilettes. J'ai honte de montrer aux gens l'endroit où il faut aller aux toilettes, tellement c'est crade. Je suis désolée, mais c'est la réalité. Quand tu as des chambres, il y a un médecin de l'hôpital qui a fait réhabiliter son service. C'est un médecin cubain qui mérite d'être salué parce qu'il a fait réhabiliter son service en faisant venir des compatriotes à lui pour réhabiliter son service. Mais il y a des endroits, les douches s'écrasent, les toilettes s'écrasent. Et au lieu de ça, par contre, il y a le bâtiment de la cancérologie qui est en train de monter. Posez-vous la question, pourquoi? Ce que je constate sur le terrain, depuis le début du Covid, c'est l'explosion des myélomes, des lymphomes et compagnie. Sans compter des cancers, et personne ne dit rien, et personne n'ouvre sa bouche. Alors peut-être que demain, je ne sais pas, je serai arrêtée, peut-être que je serai en prison, peut-être que je ne sais pas. Mais c'est à un moment, il faut que la vérité sorte, hein. Au laboratoire, je faisais quelque chose qui permet de savoir que quelqu'un a un lymphome, par exemple. Je n'en pouvais plus. On m'a enlevé de ce service, j'ai dit merci mon Dieu. De voir, je ne pouvais plus, sur 74 patients, il y en avait 60 qui étaient malades. Et puis peut-être même pas une dizaine qui étaient normaux.
Voilà ce auquel j'ai assisté concrètement. Et ça ne gêne personne. Ça ne gêne personne. Bon, ben, il y a des lymphomes, il y a des... Bon, alors on dit qu'il y a le chlordécone. Mais est-ce que c'est que le chlordécone? Est-ce que les vagues... Moi, j'étais dans l'enfance et je me pose des questions aujourd'hui. Mon médecin traitant était à l'époque, je ne suis pas jeune, hein, était contre la vaccination. Aujourd'hui, je me dis, mais c'est lui qui avait raison. Quand je suis entrée dans le corps médical, j'ai dû subir j'ai dû prendre des vaccins obligatoires. Mais est-ce que tous ces vaccins ne sont pas responsables, comme les pesticides, parce qu'on parle du chlordécone? On nous a dit que notre sol est chlordéconné, mais un jour j'ai suivi une émission sur tous les pesticides utilisés en France. Ils sont beaucoup plus destructeurs que le chlordécone à lui tout seul. Et on méprise notre alimentation. On va vers de l'alimentation importée, mais qui a beaucoup... Ne serait-ce que le pain. J'ai vu une émission, le pain, par la farine, a plus d'une dizaine de pesticides. Donc, vaccin combiné aux pesticides, aux je sais pas quoi, la situation on a, quand je vous parle de lymphome ou de myélome, c'est des patients qui sont jeunes. J'ai vu des patients de 28 ans, j'ai vu des patients de 30 ans, des patients de 40 ans. Avant, des gens avaient un cancer, ils avaient minimum 70 ans. Aujourd'hui, les cancers, c'est des patients jeunes. C'est quoi ce qui nous pondait? Moi, je vous dis franchement, je ne suis plus en mesure d'aller travailler. Et j'ai dit à mes collègues samedi. Quand j'ai pris le travail, j'ai dit, ce que j'ai vécu là vendredi, ça m'a cassé. J'avais une nuit de prière prévue, c'est cette nuit-là qui m'a permis de refaire surface. Mais qui m'a permis d'aller travailler le samedi, d'empêcher à une collègue à moi qui était en congé de revenir. Mais aujourd'hui, je vous assure que si on me donnait ma suspension, ben je la prendrais dès aujourd'hui parce que je n'en peux plus. Je n'en peux plus. De quoi je vais vivre demain, je ne sais pas. Je crois en Dieu. Ça peut être, ça va passer... Je pense pas qu'il va, mais s'il faut que j'aille me mettre devant une église, mettre un panier et puis qu'on me donne 2 euros pour que je vive, ben voilà, peut-être que ça sera le cas, mais voilà, je sais pas quoi dire d'autre, mais j'ai dit ce que j'avais sur le cœur. Voilà, là, camarade, là, les pitchers, vous parlez sur un camarade qui est en souffrance. Ben non, mais, baby, parce que ça n'est pas évident. Je vais passer aussi la parole à un camarade de la pharmacie pour Barot de Thibault. Je ne sais pas si vous avez parlé avant moi. Je dis à la pharmacie à fermer. Je dis à il ferme. Donc, tout le personnel là, présent là, donc nous faisons droit de retrait, je dis à. Comme ces pharmaciens, tous les jours, ils sont tous vaccinés, ils sont tous bien, puisque les vaccins nous rosent. Donc, je dis à, c'est eux qui font le travail là. Donc, nous debout. Vous avez raison? Alors, je dis à la pharmacie, toutes collègues là, nous debout là. Administratif, corps préparateur, nous là. Alors, nous qui des pharmaciens à bas, c'est les pharmaciens, hein? C'est comme les vaccinés, nous avons une bosse en croulant là, donc nous qui des pharmaciens à bas, c'est eux qui fait tout ça qu'il y a à faire, puisque comme nous pas indispensables pour fonctionner, comme nous indispensables, nous qui fait travailler là. Voilà. Donc, c'est ça que je dis, hein? Donc je dis à nous debout. Oui, bonjour tout le monde. Alors, merci à la dame qui vient de s'exprimer. Il y a un truc. Moi, pas ni pièce patron, yo ka crié Garel. Moi, pas ni pièce patron, yo ka crié Viguier. C'est Mounta, moi, pas mêlé Pio. Moi, pas ni pièce l'autre gardien qui s'en mène pour penser, qui s'en mène pour dire. Et je dis je, mais nous toutes là, ni en lot militant, ni en lot collectif, qui a diffusé information. Donc,
Pour qui manque à dire ça, c'est parce que si autres ne peut pas dire, autres peut dire, parce qu'effectivement, il peut y avoir des répercussions. Nous ne pas rien. Donc n'hésitez pas à venir nous parler. Il y a aussi des journalistes qui sont là, qui font le travail. Des journalistes, je dis aussi des journalistes marron. Donc, venez pas les banou, dis-nous, parce que ça zot ka ouais, ça zot ka vive, peuple la bise ça. Merci, merci David. Merci David, okay. Bravo. Alors, dis camarades, qui les un petit message rapidement, et puis nous prenons là. Chers collègues, vous souffrez au soleil. À 8 h, il était prévu un sitting de protestation. Je vous invite à vous asseoir près des urgences entre l'APT et le NPT. Voilà. Bien, alors, juste avant cette image, quand même, ma carte a rappelé que Jodia a rassemblé mon matin, toute pète matinique, tout service, la Ménard, la Mantère, Trinité, tout l'hôpital périphérique. L'intersyndicale est demandé sous le chapiteau. Les camarades de l'intersyndicale est demandé sous le chapiteau. À l'intérieur, cette carte de main, tout le monde est venu. Parce que ce qu'on a bien posé quelques questions, qui ça va faire? Oui, alors pour ça. Ah, merci à vous. Pour ça qui est capable de direct là actuellement, j'ai à peu près 300 qui suivent nous. Nous pas faisons les moyens du bord, nous pas ni l'argent, nous pas sur nos marisettes, nous sur nos chums, sur nos poches nous, sur nos l'argent nous. Et donc il m'a dirigé. Maman est venu jeune. On ne peut pas faire quitter ça, autre café. Venu jeune. Bon matin, hein, Capron. En tournure, nous avons une semaine de mobilisation. Alors, si ce n'est pas grave, rapprochez vos autres. Fini pour le soleil, là, c'est vitamine P. Bagosot. Merci à Pilou. Pas oublier qu'à 4 après-midi, il y a. Alors, le camarade qui a commencé à boucher ce type-là, le camarade va faire un petit moment, parce que nous, après le camarade de l'équipe syndicale, Henri Jeune-là, en bas chapitre pour nous parler, pour nous ça nous a fait, pour sa monnaie nous gâter qu'à l'école là. Alors, monsieur, vous avez la parole, chaque camarade, pas trop long, pour nous expliquer ces moments-là, qui stratégie, qui ça nous a mis en place. Alors, je répète, les camarades de l'Opère syndicale, vous êtes demandés. Bon, je vais vous parler, nous sommes sortis. Bon, je vais dire que, comme tout le monde a la manière, ce n'est pas la peine que tout le monde n'a pas la parole. Un monde qui représente nous, la lettre syndicale, et puis qui n'a pas la parole, on fera pour tout. Et puis qui explique tout le monde a bagaille là. Mais avant ça, je vais dire bagaille. Parce que ça a brûlé le chemin. Moi, je vais tout le monde qui travaille à l'hôpital là. Tout soignant, qui soigne, qui pas soignant, tout ça. Tout le monde. Qui ni riche malade là, qui ni mon hospitalisé, tout le monde qui martinique et qui demain matin, qui a besoin de soins, qui a besoin de l'hôpital. Je vais dire, pas oublier pour la vie à nous vivre là. Pas oublier jamais dans la vie nous, sans qu'elle sorte chez nous, sans qu'elle grave avec carrière nous, avec l'esprit nous, avec la vie nous, avec toute la vie nous. Pas jamais oublier pour la vie à Mathieu. Nous mettons la loi pour empêcher nous soigner pour nous. Pas oublier que toutes ces mêmes politiques-là qui sont à paix, parce que maintenant toujours dit ça sa bagaille, nous, nous créons un système de nous. Ce système-là, c'est à nous voter de nous, puis nous présenter nous. Mais pas jamais oublier que même quand la scène est thérapeutique, et à tout ça, là, tout pas de millions, les parfaits savent tout le monde qui est salarié, puis nous sommes piqués. C'est ça nous vivons là. Toutes ces mêmes politiques noires, c'est des bouts qui sous domination. Toujours motivé à nous. Mais il ne faut pas oublier, et puis juste à nous vivre là. Ça nous fait nous, on mettait la loi pour pêcher nous. Mais à partir actuellement, nous allons guérir le combat là. Nous allons guérir tout ça notre pays. Mais là, nous guérir. Nous ne pouvons pas freiner là. Pas oublier, le pauvre vigile, le pauvre différent bagaille qui a dépassé l'argent. Car toute bagaille qui peut. Pas nous, matériel, tout bagaille. Actuellement, nous devons d'exiger matériel pour notre travail, moyens pour notre travail. C'est ça que nous demandons actuellement. Nous ne pouvons pas regarder le matériel qui est là. Nous ne pouvons pas regarder ça. Nous toujours au combat, nous à l'attaque. Actuellement, c'est dans le pays. Pays à l'Europe, pas nous les moyens pour nous soigner ces martiniquais. Merci. Maman est un malade forest de l'Isène, basot un message, basot sa guitare de chien. Camarade forest,
ça qui passe vendredi, ça peut être pour jamais fait matinée. Ça peut être pour jamais fait avec l'établissement de santé. Ça ne va jamais oublier. Et M. Garel, ni sans la main. Je peux dire, Garel, ni sans la main. J'étais aussi. J'étais là, aussi. Préféré aussi. Alors, pas papa dit, il faudrait nous pas dire ça. Ça n'a jamais fait attendre l'hôpital Martinique. Tu n'as jamais vu. En tant que ta kit, même tout le reste, ça n'a jamais fait. C'est mon travail dans TikTok. C'est la macronique à où elle est là. C'est pas tant tout nec. Ce bagaille, nec fait ressort vendredi passé. Qui m'a nous tayé. Yo, Badoukou, nous on. Qui a écrit parler, nous là. Et nous pas peur. 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 Alors, c'est bon, parole qui dit parole. La collègue Mira, Nadia, Kebali, la zone, au nom de l'État syndical. Ma bagaille est longue, maman. C'est bien, nous gardons ça. Attendons un petit moment. C'est papier pour le droit de retrait. Nous avons discuté de ça dans un moment. Tout le monde a signé. Nous allons mettre le CHSTT, nous allons mettre la direction. Donc, patientez. Nous avons travaillé de ça dans l'homme, mais nous là. Nous l'avons épisode et puis merci pour la présence de notre hier. De toutes les façons, ce n'est pas moi qui suis traumatisé ici. Hein. Nous tous traumatisés, la Martinique traumatisée, la terre entière, parce que ça fait là, c'est une n'importe quoi, c'est unique. Je ne peux pas dire que les gens qui ont foutu lacrymogène, encore les gens ici, et puis lacrymogène qui a monté en est malade jusqu'au deuxième étage, jusqu'au deux, s'il vous plaît. Il y avait juste l'admission à PZQE, alors imaginez. Merci, en chaîne. Merci la camarade Nadia. Le camarade Jean-Pierre qui a parlé aussi au nom de l'intersyndical. Jean-Pierre Jean-Louis. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Un retour en arrière sur vendredi. Ça qui passait vendredi ici à là, ça inadmissible. C'est la première fois que je vois ça dans ma carrière hospitalière. C'est-à-dire que mon travail depuis. Faisop d'Akitman, il est jusqu'à Jodia. C'est la première fois que je vois ça. C'est la première fois que je vois dans l'hôpital, il est transformé en caserne militaire. Caserne militaire et puis en caserne d'agents de sécurité. Mais c'est la première fois que je vois ça. Et je ne peux pas cautionner ça. Il faut que nous condamnions toute agression, qu'elle soit physique ou verbale, faut nous condamner. Ce n'est pas dans l'agression, ce n'est pas dans le combat que nous avons des pires problèmes. Il faut que nous ramener la sérénité au sein de l'établissement. Il faut que nous ramener l'apaisement. Il faut que nous retrouver ça y a crié un dialogue social. Il faut que nous assisions à notre table et puis discuter pour être comment nous avons décalé comme là. Parce que je vais répéter encore une fois, ce qui passe ici à vendredi, ça est inadmissible. Ça est inadmissible parce que moi-même traumatisé. Je suis traumatisé les magasins les réseaux sociaux parce que nous partons là et puis des petits camarades là parce que parmi les deux, je suis arrivé moi. Je me même sens qu'il est là parce qu'il est venu dimanche qui a parti, il a débranché son noir et allé prendre la relève, m'a vu le sang. Et là, je suis arrivé dans les urgences là, je me suis dit que c'est X et puis Y qui est là. Je me suis dit que ce n'est pas normal, ils ont vu le sang. Ce n'est pas eux, ça ne peut pas arriver. Ils arrivent en travail, ça ne peut pas être ça. Et puis finalement, je me suis bien trompé comme moi, c'est bien eux qui étaient là. Menoter et nous demander, ces messieurs, c'est des vagabonds parce que nous disons, pour amener l'apaisement, libérer ces tibougla. Si vous êtes convoqués, vous êtes convoqués après. Parce que nous ne pouvons pas accepter que vous êtes venus dans l'hôpital, menoter comme nous, gazer en partie personnel là, et que vous êtes parti et puis relâcher tout de suite. Et s'il faut que vous êtes convoqués, demandez ce qui passait, demandez l'explication, vous êtes fait après. Mais ces messieurs, tout le monde en bouillie. Ils ont fait diversion, ils ont fait wall party par là, puis finalement, ils étaient partis en dit dans un bio. Mais ce n'est pas grave. Le samedi matin, là, nous, puisque nous étions convoqués au tribunal, là, nous arrivons au tribunal, là, nous arrivons à la maison des syndicats, nous avons parti pour nous converger vers le tribunal là. Ils ont dit nous que ils ont dit comme par hasard, ils ont libéré, mais ils ont gardé en l'autre pitié avant qu'ils lulu. Ils ont gardé. Ti Lulu. C'est Ti Lulu. Gros Lulu, ça. Mais ça, c'est Kimoun, c'est Hubert, et puis c'est Tilulu et Chebe, ils ont gardé toujours en garde à vue. Considérez que il a Tilulu. Il a dit, mais s'il a, je suis content. Mais n'empêche que
Ils ont essayé pour nous parler sentiment, pour montrer nous que nous avons libéré eux. Donc, nous parlons pour l'apaisement. Ils ont fait qu'ils ont fait nous. Ils ont fait qu'ils ont fait nous encore parce que, en plus, ils ont libéré eux, mais ils n'ont pas retenu rien contre eux. Donc, c'est qu'ils n'ont pas fait en patate. C'est que ces messieurs font un excès de zèle, un excès de pouvoir pour intimider nous. Mais Maka dit que la réaction était proportionnelle à l'action. Ça ne veut pas dire que Maka cautionnait ça qui passait. Hein. Parce que moi, je ne peux pas cautionner la violence. En dans l'hôpital, moi, je ne peux pas cautionner ça. Nous venons travailler, nous venons soigner le monde. Et pour nous soigner le monde, il faut que nous bien têtes, nous faut que nous bien connus. Et que nous ne pas venir pour pièces jeunes dames, pas nous faire des pièces qui sont morales. Et je ne peux pas dit ouvertement, comment dire, les ACI, pour faire tromper quoi. Il faut qu'il ferme à boule paille parce qu'il commet en gré les rêves, les gendarmes rentrent dans l'institution. Gendarme là, ni au lit, il a pour protéger nous, mais pas dans l'hôpital là. Il y a un autre travail qui fait. Il est plus efficace là, il a protéger nous, soit là ou pour n'importe quel côté, mais il n'y a pas de place ici. Il a venu ici dans des circonstances bien précises. Mais il partait pour être là pour contrôler l'agent hospitalier et puis mani militari, éjecter des gens qui viennent faire que je soigne parce que. Ils ont critiqué nous les réseaux sociaux. Il y a l'homme qui passe en ça qui passait l'hôpital là. Mais l'hôpital là n'a pas été barré. C'est ces gendarmes là et puis ces vigiles là qui barrent l'entrée de l'hôpital là. Et qui fait que nous réagissons, que nous venons pour l'entrée là pour dire que faut que vous gardez sans autre café parce que sans autre café n'a pas bien. Sans autre café n'a pas bon. Il faut que tu comprennes ça. Mais ni certains collègues aussi, il ne faut pas nous cacher comme nous qui mettons nous en difficulté. Cette panique est en compte. Donc, panique, il n'y a encore pas mettre que les devant la porte là, pas essayer. Nous disons que les autres n'ont pas accès. Il n'y a qu'à refouler les autres. Il n'y a qu'à refouler nous. Donc, pas essayer de faire forcing, puisque les autres mettent nous en difficulté. Ça, c'est simple de faire comme ça, nous fait là, bon matin. Nous mettons que nous en retrait, puis le directeur est obligé de poser quelques questions, obligé de venir chercher nous. Et c'est ça, c'est que la radio a fait. C'est ça, c'est que la radio a fait bon matin. Il n'y a mettre en position de retrait. C'est-à-dire qu'il n'y a mettre la direction face à la responsabilité. Il n'y a qu'à mettre le préfet face à la responsabilité. Il n'y a qu'à mettre l'ARS face à la responsabilité. Je ne suis pas vacciné, je fais un choix, mais je viens soigner, c'est lui qui a empêché d'entrer. Ou lui qui a mis à disposition. Quand nous demandons des tests, il était OK, puis finalement, le lendemain, il fait un autre notre service sorti, il n'a pas parlé de tests, il n'a pas parlé de diarrhée, il a parlé de passe sanitaire. Et à partir du 14 octobre, sous panique première injection, cherchant un moyen pour point, et puis parce qu'au mois de novembre, nous pouvons les saisons d'entrée. Mais il y a des collègues qui comprennent que, parce que moi, en ligne, les réseaux sociaux. Je ne suis pas très 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 aux réseaux sociaux, mais je suis allé par rapport à ce qui se passe actuellement. Il y a des collègues qui comprennent que y a quand relevé ça qui n'est qu'une cote. C'est pour regarder combien de monde qui vaccine ou pas vaccine. Ce n'est pas ça le problème là. Ça qui est arrivé nous là. Pour moi, c'est ça qui a passé là. C'est que ces messieurs qui passent en l'autre stade. Certains ont recensé qui n'est qu'une cote, ils ont pu faire au chien, ils ont pu faire prélèvement les salaires. Mais je suis sûr que c'est ça ces messieurs qui font. Moi, si ces messieurs qui sont passés en l'autre étape. Et Maka attend comme moi ça. Donc ça n'est pas bon signe, ça c'est Messie qui a fait là, parce que Maka reste persuadé, Maka souhaité qu'elle m'a trompé comme moi. Mais je suis persuadé que c'est Messie qui est passé en l'autre stade, mais nous pouvons qu'il prenne. Et nous pouvons faire pression en mode avant, un petit peu plus haut. Pour ça qui passait là au tribunal là samedi, ça qui passait au tribunal là, c'est très grave. Monsieur! Ça qui passe au tribunal là samedi, c'est très grave parce que nous tombons en présidente et puis des policiers et puis ces représentants de CHUA qui étaient déterminés. Déterminés, mais qu'il y a un employé qui faut fermer Dieu nous. C'est-à-dire que nous, quand on entre en tribunal là, nous devons fermer Dieu les autres parce que nous devons juger les autres, je veux dire. Donc, tu fais ça, les autres, les autres, pas ni droit à la parole. Il dit, avocat, nous, c'est comme ça. Ça n'a pas qu'il y ait autrement. Nous devons mettre le procès à bon matin parce que nous demandons à envoyer. Il dit nous qu'il faire révision, il dit nous pas une question, il n'y pas une la parole là. Moi, je viens aujourd'hui à mon juge les autres. Je suis déterminé dans un magasin. Mais comme il y a d'autres pensées sénégalistes là, qui sont avocats matiniques là pour des imbéciles, mais nous avons préparé plusieurs stratégies que nous mettons en place et que nous faisons valoir. Ce qui fait que nous passons 9 heures de temps au tribunal. Nous entrons à 9 heures du matin, nous sommes à 18 heures le soir. Mais nous sommes déterminés parce que. S'ils mettaient en délibéré, c'est parce qu'il y a des problèmes. Nous payons des problèmes. Nous payons le maximum de problèmes pour nous montrer que nous ne sommes pas couillons. Que nous avons failli dans la loi et que nous sommes entrés dedans. Et que nous ne sommes pas plus que nous connaissons droit nous aussi. Ou juge ou avocat ou ça ou les. Mais nous aussi, nous connaissons les textes. Nous ne pas fait les autres études, mais nous sommes lits à travers les lignes et nous ne comprenons les textes. Comme tu as dit plusieurs failles, nous entrons dedans. Et c'est après-midi, il y a eu un résultat à 4 heures.
Nous pas senti nous qu'y aller parce que c'est nous qui avons posé comme question, mais nous avons pensé qu'il faut que nous allions sur place pour nous voir le résultat posé. Mais tout ça pour dire que ces messieurs, nous avons quand même l'homme, qui tribunal, qui préfecture, qui l'ARS, qui directeur nous qui change fusil d'épaule, c'est même bagaille. Et qu'il faut que nous ne pas attendre que nous à ce que ces messieurs fassent nous cadeau. Mais comme moi, ouais, je dis, je constate aujourd'hui que nous sommes plus déterminés que les jours passés. Et que plus le mouvement a tiré, plus motivé, plus déterminé. Donc, nous sommes obligés de galvaniser nous, même si nous sommes fatigués, mais nous sommes transcendés nous, parce que samedi, ça a été tellement belle, le tribunal, là, on va attendre tambour, on va attendre 100 tambour, on va attendre monde derrière Gabriel la voix, même si nous pouvons manger, même si nous pouvons être prêts, mais nous sommes galvanisés, nous sommes sûrs que nous sommes derrière nous, parce que c'est important. C'est important que nous nous soutenions parce que psychologiquement ça est éprouvant. C'est éprouvant, ça vraiment éprouvant Laurent dans le tribunal ou quoi sont-ils là, les six dévanés. Mais nous sommes déterminés dans ce qu'on va faire parce que nous savons que nous sommes des droits et qu'il faut qu'ils tiennent compte de ça. Alors, je m'en tiens à 10 autres merci. Mais encore, Fanny, des collègues qui demandent moi qui point ça y est pour nous demander en participation. Nous allons mettre en place bon matin. Hein. Donc, ça qui paraît. Pour Vincent, l'argent va nous pour payer avocat parce que nous c'est des organisations syndicales. Nous n'y a adhérents qui à jour, mais nous n'y a adhérents qui pas à jour. Nous n'y plus qui pas à jour, quelque chose qui est à jour. Donc ce qui fait que quelque soit organisation syndicale, nous allons trouver que nous en difficulté parce que ça n'a pas été prévu. Ça n'a pas été prévu, mais il faut que nous fassions liste puis signer et puis ouais, que nous déposons un chapeau. Donc ça qui allait d'emblée, ils ont pas fini et puis Vincent adhère parce que il a utilisé, rassurez-vous que je dis qu'il a utilisé à bon escient parce que. C'est pour nous payer ça, avocat, parce que nous avons trois avocats que nous prenons. Et il faut que nous fassions en sorte que nous payions. Donc, il y a ça aussi. Donc, si l'autre le fait geste la paye, l'autre mettre ça, l'autre les autres pas ni qu'est-ce obligation. Si l'autre les mettez, l'autre mettez. Si l'autre pas les mettez, l'autre pas obligé de mettre. Mais nous pouvons continuer à défendre, nous pouvons continuer à vous-même. Nous pouvons continuer à vous-même ensemble. Et c'est comme ça que nous pouvons gagner un combat. Merci pour. Tout ça qui part à hospitalier qui vient porter nos postes là, tous ces collègues qui étaient là aussi qui sont venus nos postes là, c'est important. Ça qui part appartient à l'hôpital là, qui est venu et qui a suivi nous matin, midi et soir, c'est important pour nous parce que dans chaque famille matinique, on y a au moins un neveu, un cousin, un nièce qui est à l'hôpital et qui combat à nous amener là. Ce n'est pas nous parce que nous plus près la sortie que de l'entrée, mais c'est pas les futurs agents de nous. Pour respecter nous en pays d'État, respecter la dignité de nous. Et puis que nous respectons le choix, nous, parce que nous pour faire un choix, puis que nous, c'est soit nous pas vacciner, ou bien nous pas vacciner, et nous pas obligé nous faire ça, nous pas envie faire ça, nous pas les faire. Encore une fois, merci en pile, merci en Jean, et puis force pour demain matin. Maman là. On a là, s'il vous plaît. Nous faisons un silence parce que ça très désagréable pour le monde qui a parlé et qui attend notre temps pour derrière. Donc, pourquoi passer le micro à Alina qui dit deux mots à dire nous. Bonjour, donc je ne suis pas pro-vax, anti-vax, quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, je vais vous demander tous qui êtes réunis là de vous tenir par la main et on va prendre un chant. Et ce chant va débloquer certaines choses. On se tient par la main tous. Ce chant s'appelle. Eh bien, faites comme vous voulez, levez la main, faites quelque chose pour montrer votre solidarité. Levez la main. Alors, il y en a certains qui connaissent, hein? Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Amen. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille car Dieu nous lie à toujours dans une chaîne d'amour.
Concitoyens, nous sommes les siens car Dieu nous lie toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Plus force. Maman, après ça, je vais inviter cette pour ça qu'il est, aller rejoindre les collègues là, d'ouvrir une tête à Yosaf, café, comment c'est ce sitting là. Et puis voilà, donc c'est ça, mon télévision. Alors, camarade, vous pouvez prendre la parole rapidement. Ah, ben oui, mon vieux, très rapidement, avant nous aller NPT et essayer de faire coûte parce qu'il faudrait nous sembler pour voir NPT rapidement. Regardez, tout collègue, bonjour. Tout collègue, bonjour. Moi, je disais déjà dans un premier temps, par contre, tout qui est un bel applaudissement. Bravo! Applaudissements très fort. Parce que pendant tout un certain nombre d'années, nous menons un combat. Et mon coin de poche de résistance qui commençait, puisque effectivement, je suis capable de résistance. Mais là, je dis, mon carouin, c'est la résistance. Eh bien, résistance, ça là, c'est une résistance qui est pour fort. Et je crois que sans ça, eh bien, nous ne pouvons pas gagner. Nous ne pouvons pas gagner si pas une résistance, ça là. Ce qui était très important, samedi, après ce qui passait ici à vendredi, et si je suis venu porter solidarité moi par les anciens camarades, eh bien, samedi, je peux dire, on dit dans le pays noir, tu peux tout partout. On peut tenir des poches de résistance. Tout partout, mon te parler de ce qui passait au niveau de la MENA. Tout partout, eh ben, le moment était capoté condamnation. Condamnation totale. Parce que c'est vraiment inadmissible. Qui, la journée aujourd'hui, qui a dit donc, des côtés éthiques qui pourront soigner le monde, eh ben, ça a été amer. Mais c'était difficile. C'est vrai que depuis jeudi ou vendredi, que ces forces, les forces du désordre, viennent pour empêcher les soignants de faire un travail. Et bien ça, et bien notre totale condamnation de la part de tout un certain nombre de Martiniquais. Et je crois par rapport à tout le monde qui a travaillé pour eux, de mon mec qui a crié à moi, bien notre condamnation totale par rapport à sa préfet. Gazelle, ça, directeur de l'ARS, ça, directeur Chum, et puis aussi, nous avons une condamnation parce que nous avons constaté que ben, des gens ici qui ont voté tous les jours par un certain nombre de monde, eh bien, ça a fait très mal. Moi, ça a fait très mal par un certain nombre de monde, mais personnellement, ça va pas faire rien parce que je sais que ce monde-là n'est pas au service du peuple-là, il est au service du coyo. Le service du coyo est pas plané aussi à notre débat là. Résistance qui commence ici, c'est une résistance qui est capable de faire tout partout dans le pays depuis un certain nombre de temps. Ou des camarades, tout bout, tout partout, que ce soit à l'aéroport, que ce soit au port, que ce soit devant la prison, tout partout en Martinique, pour nous dire non, non à espèce de violence de là qui s'est bouclé à café Banouron. Je vais parler simplement de Fanon. Fanon toujours dit ça. Fanon dit que quand c'est mon gars de violence, puisque la journée aujourd'hui, là, il peut parler de violence, il peut parler de machin, d'un certain nombre de violences. Mais violence là qui fait la journée aujourd'hui, hein, ben c'est eux qui ont fait la violence. Parce que fait des gendarmes, fait des militaires, fait des mouns qui la journée aujourd'hui, ils pensent à qui côté plus avec eux. Parce que le chasseur d'Afghanistan, le chasseur d'Afrique, le chasseur tout partout, et le venir ici pour faire nous mettre. Mais ma belle des camarades, nous sommes aussi des camarades qui ont dit dans la prison, qui sont des noms tout bout, qui sont des noms vertical. Et par là, je vais parler de Lulu, je vais parler de Dalsim, je vais parler de Yedrun, je vais parler de Falcon, et bien ces camarades-là, la journée chantée, oui, je vais dire Lulu aussi.
Philippe, il dit d'autres camarades encore, bien, toutes ces moments-là, bien, c'est ça qui a fait la Chine aujourd'hui, parce que c'est des résistants. Et mon père disait aussi que ces camarades-là, ils ont kidnappé ces camarades-là, parce que nous sommes en train de faire une marche paisible, qui était sortie d'un sous-pont là son nom, pour t'es allé à l'aéroport, pour nous t'es dit, c'est mon nom ça, simplement, l'aéroport-là, fait contrôle nécessaire pour pas faire n'importe quoi en disant pays noir. Et bien, comme ça, nous avons gardé la journée aujourd'hui, et bien, soi-disant, ils ont dit nous dans 2 mois, par exemple, pas qu'il y ait un bateau de croisière qui est arrivé, mais nous avons gardé tous les jours en l'eau, avion qui a continué à arriver en disant pays noir. Mais là, pour nous mobiliser comme nous, tout partout qu'il le faut, pour nous faire de sorte, parce qu'on va annoncer nous, il va annoncer nous, cinquième vague, et bien, cinquième vague là, et bien, cinquième vague là, et bien, c'est eux qui ont amené à dire dans le pays noir. Et bien, pour ça, pour nous mobiliser comme nous. Moi, je ne parle pas trop longtemps, je le dis encore un bel bravo à ces collègues là. Je le disais comme ça, pas mon lien, mais moi, peut-être, parti, je ne vais pas l'hôpital à 80 encore, mais moi là, et moi, je reste là, moi, je vais couper au pisac, moi, je vais couper d'autre côté, parce qu'il faut nous faire de telle sorte que le pays nous, Martinique, changer la règle. La règle verticale, la règle qui a des hommes et des femmes qui sont là, qui ne sont pas là, ni un problème pour ces montants-là à côté de là, pour dire qu'ils n'ont pas l'air de s'aggraver. La Chine est gentille, nous pouvons constater que tous ces mouvements qui sont disant c'est des élus au niveau Martinique là, et bien ils assistent à son propre dernier rôle, et puis simplement ils n'ont pas dit rien dans ce temps là. Alors, solidarité encore, camarades, moi quand je dis encore, je te mets encore applaudissements. Parce qu'elle m'a content d'y voir ce jeudi-là. Et puis après du concert encore, parce que qu'on va être là, c'est pas personne qui a gagné. Ben non, c'est nous qui a gagné. C'est peuple Martinique qui a gagné pour battre là, parce que qui nous l'est, qui nous parlait, pour cela, c'est nous qui l'est. Mais là, bah au bel élève, bel homme, c'est notre collègue, hein. Un ancien collègue à nous. Ministre association politique. Alors, en bas encore l'hôpital qui finit son là, ma maille Lamartin, ma maille Mangouvulcin, ma maille tout partout, et aussi bon matin, c'est ma maille Sylvia, il était présent, il est là aussi. Ma maille là, en nous font chaîne d'applaudissements de manière solennelle d'applaudissements. Pas la tête. Ça, c'est bagarre, bagarre. Et puis, là, nous là, et nous toujours là, nous là, nous pas peur, comment on va pas peur, c'est pas de bagarre, c'est pas de bagarre, Bonjour camarades. Alors, nous, quand on veut savoir que ces documents à disposition, nous avons des camarades pour distribuer, donc il a circulé, mais la nuit, et puis ces documents, c'est ça qu'il est venu chercher à disposition pour votre aide. Oui, alors il y a aussi un petit canot qui a fait hein, pour payer ses avocats. Hein. Donc il commençait par un petit chapeau. Par un chapeau. Il y a un dossier qui a gêné un prix, 715 recrues. Il m'a engagé et il a gêné un camion pour que la Hadiga revienne. Alors, un tiré avant le réveil. Dossier un prix, 715 recrues. Eh bien, quand il est petit, quoi plus? Tassia, un cul, 715, voilà, qui a déjà vécu. Donc, Moun, bon matin, CHU Zob, d'Akitman, qui a collé tête, collé les épaules, et puis les soignants, et puis tout le personnel hospitalier, après les événements qui fêtent vendredi, après délibéré du grand tribunal samedi, et bien Moun là, et puis les soignants, et puis peuple Matinichi, et puis tout le monde qui a soutenu les soignants, qui paie, qui paie,
C'est vraiment qu'à voir que les autres, près de 350, on les directs qui suivent nous. Je suis content que les autres qui suivent nous. Mais s'il y a moitié parmi les autres qui descendent, ça fait encore plus belle. Je connais, c'est vrai, mais qu'à dire ça chaque. Alors, donc, actuellement là, il y a donc un sitting qui est fait. Donc, je commande tout ce monde qui est là, aller vers. Tout le monde devant les urgences du NPP. Donc, tout le monde qui est devant les. Pour une feuille, s'il te plaît. Donc, tout le monde devant les urgences du NPT. Est-ce qu'on peut dire que ça veut dire NPT? Est-ce qu'on peut dire que ça veut dire NPT? Nouveau plateau technique, voilà. Voilà. Nouveau plateau technique, donc NPT. Donc, moi, je réponds à mettre là qui a demandé que ça veut dire. Voilà, donc, des centaines de soignants, des centaines de supporters. Des centaines de monde qui descendent vers le NPT, c'est-à-dire le nouveau plateau technique, pour soutenir ces moments-là, puisqu'ils prévoient donc qu'ils font un sitting là. Donc ce cas, ouais, des centaines de monde, ça vrai, en l'eau, monde bon matin, encore plus de monde qui vendredi. Donc, moi, je pense que c'est une belle réponse à attitude des élèves, des élus, attitude et la direction, attitude gendarme, attitude ministère de l'Intérieur. Attitude. Donc, très franchement, je vais montrer aux autres. Pas quand même au début mobilisation. Pour que véritablement nous arrivions à faire sauter l'obligation vaccinale et puis faire sauter la passe sanitaire. Là. Nous, sans passe sanitaire et sans obligation vaccinale, donc c'est pour ça qu'il y a autant de matinées là, autant de monde là. Je vais vous dire quand même que nous lundi, il faut qu'on y fait de matin, nous là, depuis cet été. Nous collaborons pour nous parler NPT. C'est important. Pas hésiter, venir plusieurs. Je vais montrer tout le monde, donc c'est pas qu'à vous la fait, ni début mobilisation. Donc des centaines de monde. Mais venez encore. Force mobilisation. Vini, pas hésiter. C'est la santé Martinique qui est en danger. C'est Pep Martinique qui est en danger. C'est Ishnou qui est en danger. C'est mon cas de cœur. Yo sur le départ, mais nous avons surtout préparé présence si chou en le terrain, c'est important. Présence si chou à la santé, car tu peux pour la santé. D'accord? Donc, vini, c'est la santé Martinique qui nous aide. Pas hésiter, moi ça dit, quel que soit petit azote. Je vais vous montrer les autres. Je vais montrer les autres. Il prend bus, il prend TCSP et puis il arrive à pied. Il prend même ça qui est rentré à Kaeli. Même système. D'accord? Donc, ça est important. Donc, pas ni, mon pâté paye, mon pâté 4 travail. Parce que, un jour de travail, je vais vous montrer les autres. La santé matinée. Donc, tout ça qui peut venir, pas hésiter, même si nous avons des centaines là, pas hésiter. Mouvement bel, mouvement ni fosse, mais on peut encore venir. Donc il y a des gens qui peuvent descendre, mais qui l'a toujours. Voilà. Donc vous êtes plus de 304 suivants en direct là, mais si on est 300 montants, la moitié peut descendre encore, pas venir descendre. On peut aller vers. Je vais aller vers le sitting là. Je vais montrer peut-être le début du sitting là. Et puis, bien sûr, il faut que moi-même, je vais en travail. Parce que je vais travailler aussi. Il faut que moi-même, je vais en travail, même si je suis venu bonheur pour montrer le début de mobilisation. Voilà. Donc, tout le monde va aller dans les places techniques là. Puisque c'est dans les places techniques là, je vais aller balayer les collègues.
service là en pâle. C'est important. Pas hésiter venir, pas hésiter venir par la santé Martinique en pâle. Pas hésiter. Le monde, des centaines de monde. Mais nous sommes encore plus nombreux que ça pour maintenant, même si je dis lundi, c'est vrai. Et que c'est vrai qu'il y a une obligation familiale, si maman, etc. Comment on comprend, hein? Merci, merci. Et puis c'est vrai que les syndicats bourgeois aussi financièrement en parlent, puisque il y a une trois avocats pour payer, puisque dans délibéré, effectivement, pour être sûr quand même que travail est la fête. Donc je dis, hein, trois avocats pour payer. Donc là aussi, il y a un petit canot. Donc, vous pouvez appeler Olivier, hein, 81 67 64, proposer peut-être un don financier que nous pouvons faire suivre les organisations syndicales. Alors, moi, regardez, si moi, j'ai trouvé en monde justement les organisations, qui ont peut-être, peut-être aussi un numéro de téléphone, vous pouvez joindre nous. Pour participer à Tikan Noir, puisque vous avez besoin d'argent pour payer ses avocats. Donc avant, c'est des plateaux techniques là. Vous faites partie de l'organisation, madame, je vous ai vu me regarder, non? Je vais aller, si je suis dans l'organisation, si vous avez un lot de bruit, je vais montrer des centaines de monde. Je suis sûr qu'il y a des gens qui peuvent arriver. Donc ici, c'est ici, à vendredi, bagaille fête. Donc, nous, on est plateau technique laminant. En face, c'est urgence. Pas hésiter. Il y a un jeune mouvement. Il y a un jeune mouvement. Encore, encore, encore et puis encore. Et alors, encore. On est pour mettre une capitaine. Allô, allô? Oui. Concernant Patrick Alla, nous, là, pour qu'on soit pour l'île, c'est pas pour faire couscous. Il y a un monde qui va qui récupérer. Pour qu'on soit plein, l'heure finie, portez ma nous, pas champion. Oui, alors nous cachons sur un côté qui n'est pas silence. Oui, alors, je vous dis bonjour. Alors, il y a un monde effectivement, si vous avez un numéro de téléphone, pour vous pouvez participer à Tikanoa. C'est-à-dire, participer à financement. Qui manière financer, c'est avocat. Est-ce que vous pouvez avoir une manière autre qui vient ici? Parce que là, il y a à peu près 340 monde en direct, qui sont sur direct là. Donc, il y a parmi eux qui ont un numéro de téléphone. Bien écoutez, ça nous va dire là. Nous sommes tellement pris dans différents hôtels. Nous sommes tellement pris dans différents hôtels qu'il n'y a pas qui va dépasser nous. Mais comme pas en même temps, nous avons essayé de faire des pétitions pour nous mettre des numéros de téléphone en ligne de bail pour tout le monde trouver un repère juste milieu pour la faire sur la balle. Mais pour l'instant, vu la détermination, vu que nous avons chargé, nous subissons les répressions, nous subissons un tribunal. Hier, nous avons cherché pour nous assurer avec d'accord entre le mouvement. Alors largement, nous puissions. C'est trois bagailles en même temps. C'est trois bagailles. Mais largement, nous avons mis les choses carrées. Et avant, midi, tout le monde a gagné le côté pour nous mettre des bagailles là pour nous décaler comme là. Voilà. Parce qu'il faudra nous décaler comme ça. Parce qu'il y a une bagaille pour faire comprendre et puis comprendre. Moi, c'est dites-nous représentant de Manuel Galap. Il mort ici en combat. Il m'a échoué. Mais pendant ça, on fait des combattants là. Pendant ça, on fait un peuple martinique qui était là. Et puis c'était des blancs qui nous boutent en mitin pour empêcher de les soigner. Parce que c'était en force ça de fait. Je ne m'en vais pas de ça. Alors c'est bien ramener un minimum de respect. Merci, merci, merci. Donc j'attends, c'est rappelez-moi la rappelez-moi nom. Rappelez-moi Fares Alain, c'est moi qui suis secrétaire général de l'USAM. Alain qui manière? Alain. Fares. Voilà, Alain Fares. Secrétaire général de l'USAM Santé, à mon convulsé, Union des syndicats autonomes de Martinique. Nous ne pouvons pas recevoir des personnes. Nous ne pouvons pas négocier. Nous pouvons négocier, mais nous ne pouvons pas faire des lois. Nous ne pouvons pas remplir mon principe. Tout le nous a réclamé, c'est droit de travailler. Merci, merci. Donc, j'entends, merci. Donc,
représentant de l'USAM donc, qui fait en intervention. Donc, bah, ça qui a demandé effectivement, qui manière pour participer financièrement, eh bien, attendre. Il dit que d'ici midi, il y a des bagages qui ont fait tellement, que n'y a pas de attendre en tel travail. Donc, il y a un temps, il y a un mouvement. Donc, je retourne donc, en sitting dans le bureau. Donc, je retourne dans le sitting. Là. Écoutez bien parce qu'on ne va pas passer toute la journée avec voilà, la porte à terre. Il y a des centaines de monde bon matin. Hein. Belle manifestation, belle mobilisation. Mais ça qui peut venir encore. Vini, 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 vini. Le courrier qu'on vous a donné ne concerne que les agents qui travaillent à l'hôpital, pas les gens de l'extérieur. Alors, il y a un courrier qui distribue. On vous a remis un courrier qui vous permet d'être couvert pour la journée, pour le jour à venir par rapport à ce qui s'est passé vendredi. Nous sommes en position de retrait. En position de retrait pour qu'on ne puisse pas prélever sur le salaire. La loi le permet, donc on applique la loi. On leur montre qu'on n'est pas plus con qu'eux. Donc remplissez les courriers, ceux qui peuvent, et ramenez les courriers sous le kiosque qu'on le récupère. Ça ne sert strictement pas à ça, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Ça ne sert pas à voir qui est vacciné, qui n'est pas vacciné, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas notre rôle, on n'est pas là pour ça. On est là pour couvrir les agents, pour leur faire connaître leurs droits. On a des droits, donc utilisons les droits. Parce qu'un droit qui se prend pas, c'est un droit qui se perd. Donc le courrier, il sert à ça, à vous couvrir, à nous couvrir, administrativement. Car le PDP ne fait pas attaque contre nous. Nous, en position de requête par rapport à tout ça, nous va subir, tout ça nous subit votre dire. C'est pour ça que nous avons une position de retrait. La loi va permettre. Il y a des mais la loi va permettre. C'est pour ça que nous avons fait. Donc, alors, nous avons dit que quand il y a un mari, mais. Donc, concernant la manifestation d'aujourd'hui. Il y a un courrier qui remet à tous ces agents par rapport à ce qui est fait vendredi. Et administrativement, tout le monde qui est en position de retrait. Donc, légalement, il ne peut pas faire subvention, suspension de salaire. On peut parler, mais on peut pas. On peut pas. C'est ça que nous avons décidé de faire. Assister les gens ne pas parler. Mais nous ne pouvons pas faire ça là pour l'instant. Donc, ça m'a télévision. C'est que moi, je suis très fier. Je suis très fier que je dis là, que nous ne pouvons empêcher personne d'en faire. Nous ne pouvons pas bloquer l'hôpital. Mais j'ai trois décisions. Hein, de façon unanime, à dire qu'il y a fait un non à l'égalité, à dire qu'il y a fait un chier, et à dire à l'ARS que nous sommes responsables. Nous sommes des normes et des femmes irresponsables. Et quand l'air va attaquer nous, nous ne pouvons pas répondre. Nous ne pouvons pas répondre par l'agressivité, mais nous pouvons répondre de façon déterminée. Et à l'autre manière de répondre, c'est-à-dire que nous devons avoir la sérénité au sein de l'établissement. Et c'est ça ma compta que nous pouvons vous dire. Mais nous ne pouvons empêcher personne de faire. Mais que je commence pour habiter d'autres. Madame, je peux vous habiter à d'autres mois, mais nous, nous faisons ça avec une des textes qui t'a protégé nous. Et c'est pour ça que nous devons attendre. Nous devons attendre l'air pour nous montrer que c'est lui qui est venu chercher nous. C'est lui qui est venu nous dans l'air de nous. Vini travail, parce que nous sommes autres. Vini travail, parce que nous avons période de crise. Parce que nous ne pouvons pas être en face de nous qui sommes généreux. Et qu'il y a un nous, parce que nous ne pouvons pas prendre un destin professionnel. Donc nous ne pouvons pas être sanctionnés. Nous ne pouvons pas être sanctionnés au niveau salaire, nous, parce que nous ne pouvons pas faire faute. L'enfant faute professionnel, par monsieur conservatoire, il y a un six pour nous. Il y a qu'à 6 pour nous, mais il y a qu'à maintenir le salaire. Si on 6 pour nous, on voit 2, moi 3, moi je vais faire dollars avec moi, salaire nous maintient. Mais là, nous ne faisons pas de fonds professionnels. Nous ne faisons pas presque 4 fonds professionnels, donc nous ne pouvons pas payer pour un bagage que nous ne pouvons pas faire. Maintenant, il y a qu'à payer pour ça y faire. C'est lui qui a payé aujourd'hui. Là. Nous allons montrer détermination. Nous ne pouvons pas faire comment vous nous entrer. Nous allons comment vous nous chercher nous pour faire nous entrer avec nous. Et c'est si nous décidons de nous entrer, nous allons entrer. Et ça va être une commission là, sans qu'on propose nous. Parce qu'il dit les noms, nous allons les vivre pour ouvrir le dialogue. Mais nous ne pouvons que discuter de l'IFP à nos pieds. Mais on va parler au nom de l'organisation également. Parce que ça qui passe là, c'est inadmissible. Ça qui passe vendredi, nous touchons le fond, mais vraiment le fond. C'est qu'il y a un moitié de respect. Il y a un moitié de respect. Parce que nous ne pouvons pas, avant qu'on vive, nous sommes opérationnels. Nous faisons vendre. Nous faisons 2 vagues, nous faisons 3 vagues, nous faisons 4 vagues, et nous faisons 5 vagues. Nous ne faisons pas jamais faire marche arrière. Nous ne faisons jamais faire marche arrière. Nous touchons le travail dignement.
Ils ont repoussé pour genoux, ils ont pas annulé pour genoux. Et puis j'ai dit jour. J'ai dit, ils n'ont pas maintenant nous dehors à l'hôpital là. Ils n'ont pas mal nous pour genoux. Ils n'ont pas mal nous soldats pour nous. Pour remercier nous, c'est ça qu'on va faire nous. On va trouver que M. Sambakabo. Et qu'un préfet là. Et qu'un directeur là, il reste là. C'est M. Manipasso ici encore. Parce que M. Dupont est ici. Parce que M. Patti. Et pas moi, je vais en mais on va trouver ces messieurs. Personnel non droit, ça c'est M. Manipasso aussi. Et que, je ne vais pas répéter encore une fois. Nous ne pas bouger pour moi et pour personne. Nous ne pas bouger pour moi et pour les portes de l'eau. Nous ne pas bouger pour moi et pour l'administration. Mais nous ne pas montrer aujourd'hui avec nous en âme. C'est l'âme fatale. C'est Zot qui a mon âme. Je toujours dit ça. Je toujours dit ça. Nous sommes chassés. Nous ne sommes pas lâchés. Mais à partir du moment où nous sommes tous les hôpitaux là, je suis sûr que nous avons fait des émotions. Je suis sûr que nous avons fait ma charrière. Je suis sûr que nous avons fait des reproches moi d'ailleurs. Agresser personne. Mais nous subissons l'agression. Et je vais répéter encore une fois, mon petit. Ce qui passe vendredi ici, ça va être pour faire. Je ne vais pas cautionner l'agression parce qu'elle ne faut pas dans l'agression de la femme, rien. Mais je vais répéter encore une fois. Agression, nous subissons vendredi. Le tout là, c'est proportionnel à l'attaque là. Je ne peux pas rester encore tout dans ça parce que dans mon bien sujet latéral, les réseaux sociaux, il y a un gaspillage personnel, il y a un gaspillage patient. Le moins notre collègue, nous ne pouvons pas rester inactifs. Ça ne veut pas dire qu'on va cautionner. On va cautionner la bagarre. Encore un moment, nous qui nous dans ça. On ne peut pas cultiver ça. Et ce n'est pas dans l'agression que nous avons rien. Mais lui, constate que c'est proportionnel à l'attaque là. C'est ça, ma bâtie. Il ne faut pas ça nous faire encore. Faut que ce monsieur respecte nous. Et si vous pouvez atteindre un minimum d'intelligence, dans une situation qui est aussi grave, ou un personnel aussi désemparé, il ne faut pas le faire comme pour que vous l'hôpital là. Mais assisons dans la table, parce que c'est ça qu'il te propose nous. Il te propose nous assisons dans la table de nous discuter. J'ai dit, je vous décide de ne pas protéger dans le monde. Ça va nous lever la réflexion au lieu de la discussion. Et nous ne pouvons plus accepter ça. Donc, je vais répéter encore une fois pour aussi vous appuyer, mes amis. Au nom de l'organisation syndicale moyenne, pour s'ouvrir. Ça qui là, allez discuter, vous pouvez aller discuter, oui. Mais vous pouvez discuter, ici. Vous pouvez pas aller discuter parce que, je vais estimer que vous ne pouvez pas rester. Vous ne pouvez pas rester, vous ne pouvez et ça indigne de Gaël. Ça indigne de la direction d'un personnel d'abattoir, autant. Et je ne vais pas répéter encore une fois. Je vais annuler mon genou. Je vais faire tout ça que peut nous accepter pour prendre en charge la population. Et que jour dix jours, pour permettre nous de voir en mesure de suspension sans salaire pour subir dans la vie de son pays sans l'argent. En dans la vie aussi cher de nous sans l'argent. Pour ne pas tuer des familles martiniquaises. Pour ne pas tuer l'économie martiniquaise. Nous ne pouvons pas accepter ça. Et ça fait vraiment plaisir encore une fois de voir que nous toujours nous déterminés, mais ça fait vraiment tout produit encore, c'est que nous ne pas paix. Nous ne pas paix personne. Et que c'est comme ça que nous devons gagner. C'est comme ça que nous devons gagner mon bar. En nous toujours ensemble, quel que soit le corps de Dieu dans l'hôpital là, si nous faisons, si nous faisons vacciner pour nous vacciner, nous gagnons mon bar là. Merci encore, merci à vous. Tout le monde qui a travaillé dans l'hôpital pour faire trois laboratoires, oui. Tout le monde qui a travaillé dans la pharmacie pour faire trois laboratoires, oui. Tout le monde qui a travaillé dans le paramédical pour faire trois laboratoires, oui. Et lui, trois laboratoires est engagé. OK 715 VPI, DY-607GR, DY-980WB. Alors, il y a un citoyen qui est en ça. Et vous avez dit qu'il y a un professionnel, vous terminez la police en gros. Bon. Non, mais dites-y à l'autre, tu vas le faire sur le troisième.
Alors, ça m'a fait le fait passer comme message. C'est que depuis que nous avons un seul vote, depuis que nous avons estimé que la position est comme un vote, pour que les autres droits du feu ont droit de voter. Et ma carte dit ça, parce que si nous organisons comme nous, droit de voter peut être tous les jours, une heure, deux heures, et comme ça, qui passe, quel que soit le corps de métier et qui en est, rend la vaccination obligatoire. Face, on va organiser comme nous, nous papes. Alors, ma carte est proche, tout est réuni. Le corps médical, les militants qui t'abîment pour la dignité et le respect. Vous pouvez casser nous quatre attachés, la liberté, liberté. Vous pouvez casser nous quatre attachés, la liberté. Vous pouvez casser nous quatre attachés, la liberté, liberté. C'est ça qui t'arrive, nous pouvez casser, nous pouvez casser, nous pouvez casser. Et bien, il faut que nous entrions dans ce jour, non? Bon. Je comprends, vous pouvez casser nous quatre attachés, la Alors, c'est un repas, nous va danser une tape et prochaine. Liberté, liberté. Liberté, liberté. Liberté, liberté. Liberté, liberté. Liberté, liberté. Nous va danser une tape et prochaine. Donc, moi, ça qui peut venir, et moi, pas censé pour venir,
le samedi, nous passons en rassemblement. Tous les samedis, en rassemblement, pour la prison. Ça n'est pas plus comme. Parce que pour moi, mon salaire n'a pas pu exister. Nous passons en rassemblement, mais c'est à partir de 16h pour voir la prison. Dicos, pour passer mon salaire à l'œuvre. Pour passer mon salaire, pour montrer que nous l'aimons. Alors, bon, donc excusez-nous, mais comme moi qui veux changer, je vais passer à madame cet esprit. La parole, moi qui veux changer. Donc, Magali, je vais souligner le choix que c'est fait, et je vais prendre la parole à ça, parce que je vais vous dire, le choix que c'est fait, retraité, décidé de mettre 100 euros à la disposition du travailleur. Et je pense que ça, ça va être une manière de vivre. Ça veut dire que les grands-parents vivent le soutien des générations qui viennent. Parce que faut que nous entrons, faut que nous travaillons, faut que nous fassions taille, faut que nous soyons riches, etc. Donc nous demandons les mêmes pousses-là qui sont capables de faire ces grands moments, etc. On toujours dit ça. Soit une 5-6 dizaines de vies de communes d'avenir. Assis avec le mouvement, qui a senti la police de la gendarmerie, parce que c'est maman et le papa. Donc, faut que l'organiser. Faut que l'organiser pour nous. D'accord. Et, on va être bien le temps, 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 on va être bien le temps. Dans l'Estemelie et de l'origine, venez tirer votre courrier parce que je n'ai pas pu. Ça n'a pas, ça n'a aucune valeur. Maman est belle bonjour. Belle bonjour Magali. De 10 jours. Toujours. Moi là, en tant que Martiniquaise, en tant que agent hospitalier, en tant que citoyenne du monde. Il y a 10 jours, ce qui passait dans l'hôpital, nous, c'est inacceptable. Juste là, on choquait récemment, ouais, l'hôpital là. Maman, les désirs, moi, ouais, j'entends, mon colonne nous couvrait, qui a couru dans toute la rue, tout couloir à l'hôpital là. Et au cas où on ne passe pas là, pas passer par là, on l'a voyé là. Moi, le travail, moi, et yo, le gendarme Kabini, policier, agent là-bas, Kabini a siégé l'hôpital là, et quand même l'homme, a le travail, moi, on ne peut pas accepter ça. Inadmissible. Mon collègue, parce que nous avons un gouvernement qui ne peut pas respecter les lois européennes. Nous avons un gouvernement qui ne peut pas nous détecter le capitalisme. Des big pharma, nous avons les gens de nous. On peut dire que pour soigner la population, mais nous ne sommes pas dupes. Nous avons la matière grise. Nous avons réfléchir. Et ça m'a déjà dit. Nous devons gourmer. Nous devons résister. Et mon atteignant, c'est bien mon gars, dis-moi, oh, votre cause est perdue. Il n'y a pas de cause perdue, il y a des causes. Parce que si on s'accueille, t'es réfléchi à les affaires, résultats, nous pas juste au combat. Qu'appelle, combattant avec un prix, et nous avons ensemble. Parce que ce n'est pas normal que vous mettez mon jour du jour, pas qu'écouter, peuple-là. Pas qu'écouter la rue. Et on va dire, peut-être,
pour nous, mais pour nous, sans nous. Ça pas normal. Et nous ne pouvons pas accepter ça. Alors, maman, nous sommes nous issus de peuple guerrier. Italien les parking hélicoptères là, donc ils viennent ensuite en les nouveaux plateaux techniques là. Là il y a des attestations que vous allez mettre, parce que bon matin, administrativement ils sont en voie de retrait, donc les tiers syndicales qui préparent effectivement les feuilles. Chaque soignant, les documents administratifs qui permettent de couvrir au matin hein, pour éviter donc qu'il y ait un faute administratif et les prises de parole qui continuent. Personnellement, j'ai assisté à l'agression subie par vos deux jeunes collègues agressés. J'ai vu les gendarmes. Donc là, c'est un mode matinique libre qui apparaît. Alors que justement, c'est interdit. La loi française interdit cette pratique parce qu'elle a déjà tué. Donc je voudrais savoir si c'est normal que M. Garel est en train de meurtrier dans votre établissement pour traiter vos collègues comme des criminels. J'aimerais savoir, et là je m'adresse aux médias, qui arrivent quand l'affaire est finie, savoir s'ils sont fiers de leur métier aujourd'hui. Parce que quand j'ai vu les articles, quand j'ai vu les j'aimerais savoir si nos journalistes, quand ils se lèvent le matin, se regardent dans un miroir. Et je dis, je suis fière. Et je dis, je suis fière comme des soignants comme vous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes fiers de votre travail, fiers du rendu, de monter une population contre ces soignants en les faisant passer pour des criminels? Vous n'avez pas honte. Faites votre travail, bordel. Vous êtes payés pour bien sortir la vérité, là, pour sortir les gens les uns contre les autres. Vous êtes là pour faire le travail, pour informer la population, non pas pour faire de la désinformation. Alors, messieurs, dames, les journalistes, assumez vos responsabilités et faites votre travail. Révélez la vérité, révélez ce qui se passe, révélez que les agents de l'hôpital ont été agressés, ont été matraqués, ont été gazés, que des patients, des malades ont été gazés, que des civils non armés ont été attaqués, des bébés ont été gazés. Est-ce que c'est normal que votre population subisse cette agression? À cause de votre comportement, de votre propagande, nous subissons cela aujourd'hui. C'est vous qui avez fait que nous sommes arrivés à ce stade. Nous devrions avoir honte. Merci, monsieur Lamet. Bon courage pour la suite. Nous sommes arrivés. Je le répète. On n'est pas là pour critiquer les corps de métier. Le journaliste fait son travail, la question de l'objectivité au fond. Ah, on attaque. Quittez. Nous parlons la bouche là, je dis là. Nous parlons la bouche là, parce que les parents de la manifestation, nous pas contents. Parce qu'on va venir sans moi, là, faire la personne. Respectez mon âge de travail, parce qu'on respecte tout le monde. Nous parlons la bouche là. Je dis là, nous parlons la bouche là. Je dis là, je n'arrive pas là, les familles nous vont critiquer. Alors, pas de problème pour ça. Comment est-ce qu'il est pour la parole? Qui m'est allé? Oui, nous va dénoncer. Nous va dénoncer. Nous dit que tout le monde s'en est.
Voilà.
Donc respect total, pour éviter toute entrave, ou alors ce qui pourrait ressembler à une entrave, puisque bon, c'est caché chez toute faiblesse parfois pour faire délibérer, pour faire mise en examen, pour faire arrestation. Donc véritablement, aucun élément ne parle de chaîne pièce bagaille. Depuis 6h30, un appel été lancé hein, à toute peuple Martinique pour venir sauver la santé Martinique. C'est important parce que ce n'est pas seulement affaire ces soignants là, c'est vraiment affaire Martinique, toute Martinique, riche Martinique, maman, papa, frère, ses cousins, cousines, ma tante, pour véritablement dire non déjà à ce qui est passé vendredi. Hein, clairement, pas qu'à vous n'agir que tout pour nous suivre, hein, même si. Ils utilisent ça en autre sens, mais moi, que chaque monde a voté manifestation vendredi, et puis qui m'en est, des bancardiers, menotter, placarder au sol, en cette même hôpital-là, puis gendarme qui a marché, bodom, à tous les étages, mettez patients en danger, fait patient paix, fait mon paix, d'accord? Donc, dit non à ce qui fait vendredi, et puis bien sûr, revenir à l'essentiel combat, essentiel combat étant non au pass sanitaire et non à l'obligation vaccinale. C'est d'abord pour ça, manifestation en fait jeudi, hein, c'est d'abord premier objectif là, c'est obtenir en étant ferme le non à l'obligation vaccinale et le non au pass sanitaire. C'est d'abord ça que les soignants là, le monde hospitalier là pour matin, monde hospitalier Martinique là pour matin, d'abord pour dire non à tout ça, ça est important, ça est important. Donc, des centaines de monde, ça veut dire, mais nous avons la capacité de nous multiplier des milliers de monde. Bonjour à tout le monde, je voulais vous remercier d'avoir répondu à l'appel. À l'appel aujourd'hui de la mobilisation contre le pass sanitaire. Merci aux collègues qui ont un pass sanitaire et qui ont été révoltés de voir les gendarmes les matraquer, parce qu'ils se sont dit un jour ou l'autre, on ne sera pas d'accord avec eux et ce sera nous. Ces gendarmes qui nous ont applaudi il y a quelques mois en arrière. Et je suis contente que tout le monde soit en blanc, pour que la population puisse voir que c'est nous qui défendons la vie. Et quand on touche aux soignants, on touche à la vie. Donc j'aimerais qu'on fasse à un moment donné une minute de silence pour tous les patients qui sont décédés du Covid. Et en fait, j'aimerais vous dire que vous n'êtes pas seuls, nous ne sommes pas seuls. Nous avons raison. Et au fond de nous, les gens qui ont un pass sanitaire, au fond de vous, si ça ne vous a pas touché, qu'on vous matraque, qu'on nous gaze, c'est que personne n'a rien à faire à l'hôpital. L'hôpital, c'est sacré. On a toujours défendu nos valeurs, celles de l'humanité. Donc c'est très bien qu'on fasse une minute de silence pour tous les patients qui sont décédés. Et surtout, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez aller sur Réinfo-Covid, où il y a tout un système de lutte contre le pass sanitaire, où il y a des médecins qui soignent le Covid, où il y a des avocats qui commencent à faire des référés contre l'injustice. Réinfo-Covid. Elle a demandé une minute de silence. Enfin, respect par rapport à ce qu'elle a proposé, les agents, tous les droits aujourd'hui. Alors, maman, elle a non, respectez comme vous. Mais Mignon, calme-toi là. S'il vous plaît, monsieur, nous écoutez pas nous. Non. Mais Mignon. Molly. Oh, Boukman, Molly. Non. Oh, arrêtez ça. Arrêtez ça, Boukman. Arrêtez ça! Parce que pas bien au tribunal là! Hein. Arrêtez ça! Arrêtez! Oui, alors, nous, on est plateau technique, les urgences bon matin.
Mounla qui a coulé tête que les épaules et puis le personnel hospitalier, tout personnel confondu. Donc là, il y a moins d'un minute de silence, mais ça veut dire que l'importance présence là qu'il a, qui a rendu les choses si délicates. Vous décidez de faire un souci, voilà. Et vous parlez là pour adresser personne, tout le monde qui a fait travailler, tout le monde qui vous aiderait et puis manger. Arrêtez s'il vous plaît. Moi je veux que ça, que vous n'êtes pas le plus fort, on se montre le plus malin. Je vais vraiment les aider pour me faire ma vie ça. Que vous n'êtes pas le plus fort, on se montre le plus malin. Et puis la femme ça est pas mal. Je vais essayer de me dire. Ça veut dire que l'animal, c'est un succès quand même. Donc, on fait comment dans sa victoire, voilà. Il y a des autres patinants. Le soleil est chaud, panique. Toi, dans l'hôpital, patinants. Mélissa a proposé une minute de silence pour tous ceux qui tout ce qui se passe là. Tous ceux qui nous ont laissés, qui ont combattu à nos côtés. Alors, nous, pas oublier, nous respectons. On nous respecte ces collègues-là qui malades là aussi, hein, qui couchent là, à l'hôpital là. On nous respecte pour nous, nous aussi, nous avons payé. Pour nous, mesdames et messieurs, j'en dis à nous de terminer en le silence. Tout à fait, par le silence. Alors, il commence. 1, 2, 3, terminé. Silence. Solidarité et puis le personnel hospitalier, tout personnel confondu, personnel soignant, non soignant, tout personnel qui a dit non à l'obligation vaccinale et non au pass sanitaire.
pour les têtes colisées, pour la solidarité plurimatière. Belle bouchette de monde. Et nous sommes en santé. Et comme nous sommes capables de multiplier des milliers, plus que des centaines de matières. C'est vrai que par rapport à la mobilisation jeudi, par rapport à la mobilisation vendredi, nous ne sommes pas capables de goûter. Et puis, faire mon qui là, c'est vrai. Mais là, tu vois pas plus, en tout cas, il était quand même un petit peu espace. Donc ça peut être plus nombreux. Donc pas qu'à répéter, hein, tout ça qui vient la possibilité le matin, même si on en 10 minutes, même si on est en heure, pas hésiter. Fini par la santé matinique, parce que moi c'est constamment qu'on est fini par la santé matinique. On parle, soutien. Hospitalier et Martinique répondre hein, à appel là, respecter ma qu'il y a entre guillemets dress code là, blanc, blanc pour montrer vraiment la vie, parce que c'est comme ça qu'il y a traduit, et puis la non-agression aussi, liberté aussi de circuler. Tant pour les visiteurs, les malades que les l'auto. Tout à l'heure, l'intersyndicale fait un appel hein, pour demander en aide financière puisque pour répondre à un référé, ils prennent effectivement trois avocats que vous prenez et que vous avez besoin effectivement de payer ces avocats et que vous avez dit que la baguette est tombée en l'air. On est brutal, sa qualité prévoit. Donc, il commande tout ça qui peut venir aider financièrement, bah, ils vont pas là. Et quand le secrétaire général, l'usame santé, tout à l'heure, ben, donc, il met les renseignements, les réseaux, les informations. Les gens qui malades, qui, dans la santé pour nous-mêmes, ils sont sur le terrain. 24/24, du dimanche au dimanche, du lundi au lundi. Les camarades de pompiers, bon matin, ils sont venus là, à l'épista. Nous parlions, mais je vais juste côté dans votre bar, les camarades pour du matin, ils appellent l'homme de l'année. Yola. Amen, les camarades pompiers. Monsieur, quand tu parles. C'est important que nous fassions peur, que nous semblions. Et Mota, c'est Mona qui a dit ça. Ça fait lienage et puis fait corps et puis sembler. Si nous ne pas arriver à sembler ça nous, comment on peut battre l'ennemi? Ça c'est en force. Mona Tony, c'était sembler la force. Je ne peux pas parler, mais je ne peux pas parler. Allez, parlez, pour ne pas parler. Alors, on nous attend pour que là, pour ne parler, pour nous payer. Ça est important. Et c'est ça, l'occupant du fort passé nous, l'occupant malin, l'occupant qui a arrêté de parler, donc qui a parlé, qui a foutu les autres, pour têche les autres. Alors, même nous qui a parlé, nous, entre nous, les pays, les pays, on nous a fait écouter. Notamment des pompiers qui venaient parler, malgré ce que tu es là, tu fais l'honneur dans les pompiers, parce que le nom de moi, des autres, nous conseillons pour nous, même dans la vaccination, là, et nous avons parlé, camarades. Merci à vous.
pas si je peux parler, je peux parler dans la famille, vous êtes cagé, vous. Maman et la santé, bonjour. Peuple Martinique, bonjour. Donc, quand ils ont conseillé le bagage, je dis à nous les pompiers, nous les écoles de service minimum. Malgré tout ça, nous là pour porter ce secours. Merci. Nous ne pouvons jamais la tuer. La santé, nous la épisode, nous bagage Jean la Joseph, combat à cet amour. En combat qui légitime, en combat qu'on veut, en combat banou, sur tout le qui l'a terminé de famille. Nous comprenons que tu es salé, nous allons nous, parce que nous sommes capables. Et les groupes à tes pieds, pour bien qu'elle la pour être nous aussi. Maman, jeudi jour, ils ont attaqué nous. Demain, ils ont attaqué nous. Ils ont qu'à menacer le personnel de l'éducation nationale. Moi, tes enfants, première intervention, je vous vois la RS là. Jeudi, c'est combat les soignants. Combat l'éducation nationale qui a fini et puis les restants qui ont su. Ça qui peut qu'on comprenne. Fini jeune peuple Martinique, joli ACH. Ok? Dans les étages, même les malades sont cassés de nous. Ok? Ça qui peut venir, ça qui s'est marché. Vini jeune mouvement là. Ok? Nous ne pouvons pas assez nombreux là, joli. Parce que ça qui fait François dit, c'est net, monsieur! Encore. Comme c'est bon de nous abonner, et bien nous-mêmes aussi nous avons monté un peu chez nous. Ouais! Jodia, il y a toutes les violences. Ok? Nous venons dans la sagesse, dans la paix, dans la discussion, dans le dialogue. Ok? Jodia, nous là, nous tranquilles. Et Tio, c'est mon objet de rabat, mon match, et puis la vie prochaine. Et Tio, Yo commencé à prendre conscience que yo allé trop loin. C'est le monde. C'est le tour du monde. Ils arrivent au Canada, ils arrivent en Nouvelle-Zélande, ils arrivent l'autre. Yo ka wè que yo ka bat soignant, que yo ka gasser soignant en l'air. Le travail yo, ça inadmissible. Bonjour, mes frères Martinique, maman. Que bonjour à tous. Donc, vous avez vu, vous avez un collège de sapeurs-pompiers. Nous avons tenu à être présents et ce depuis septembre. Depuis septembre, nous sommes présents. Nous sommes allés devant la CTM faire un dépôt de polo, un dépôt d'uniforme. Jusqu'à aujourd'hui, notre direction est restée sans voix. Depuis, nous avons déposé un préavis le 6 septembre. Nous serons reçus demain. Je ne sais pas si vous imaginez la considération de notre direction. Mais ce n'est pas grave, nous sommes pour le dialogue, encore une fois. Mais aujourd'hui, sachez que, comme les soignants, hein, parce que nous sommes soignants, au 24, regardez bien leur visage, hein, tous ceux qui sont présents, regardez bien leur visage. Vous n'avez pas que des sapeurs-pompiers face à vous. Ils sont pour l'incendie, ne secours à personne,
les gens qui se perdent en montagne. Il y a des spécialistes ici. Il y en a qui prennent l'hélicoptère. Tout ça, il y a des spécialistes. Il y en a qui sont sur des embarcations, sauvetage nautique, camionning, pour le risque chimique. Est-ce que vous pensez qu'on pourra remplacer ces hommes qui connaissent la Martinique? Est-ce qu'on va trouver des hommes de qualité comme ça? Non! Eh bien, c'est ce qui va arriver si on les laisse partir le 24. Alors nous disons non. Nous disons non à ce génocide qui est en construction. Alors maman, et si ça ne pas comprendre que ben la quérette, nous avons un aperçu. Et nous pouvons continuer à avoir un aperçu sur pas 4 tonnes. Est-ce que vous comprenez, maman? Jusqu'à la pluie, messieurs. Les pompiers sont engagés dans cette lutte. Oh, oh, auprès des soignants. Nous là, les gars, nous parlons de derrière. Merci. Bonjour, mesdames. Excusez-moi, mon sorti métropolitain. Mon 35 ans Martinique, 31 mois, 31 ans de pompiers. Et aujourd'hui, il n'y a pas de la faute par nous. Regardez-moi, allez vacciner pour mon village en mouille. Mais moi, je dis autre bagaille. C'est ça son moment, les dix autres. Je dis à mon gagne, vacciner. Mais si je n'ai pas vacciné, je peux pas être d'argent moins. Je peux pas être famille moins. Je peux pas être riche moins. Je peux pas être tout riche moins. Donc je ne vais pas me vacciner. Fermez la porte là, maquille, je vais couler avec ça. Ça n'a pas de problème. La matinée de la nuit, personne, ni légumes tout partout. Il n'y a plus de bois. Et vous imaginez qu'il n'y a pas que tout le monde dans la rue. Donc, on vous tient donc. Combattons ! Ouais ! Allons, respect, tout le monde en parle. Bye bye. C'est non talent, c'est non talent. Vérité, respect. Bayoï, 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 bayoï. Comme je m'en souviens, moi tout le peuple est là, tout le peuple chine, la montée pour l'opportunité, ma voiture, Nicolas Blouin qui là, il m'a mis carbé qui finit pas le même pour papier aussi. Nous capons un cœur baillot, nous capons un monde à tarabaillot, pour qui ce diable là qui paraît bien pour nous, nous la basante, nous la basante. Et diable là, bien pour nous, et diable là, bien pour nous, et diable là, bien pour nous, c'est le ciel qui m'a la pâte à jouer. C'est diable à des voyous, c'est diable à des voyous, c'est le seul criminel à pas qu'à jouer. C'est diable à des voyous, c'est diable à des voyous, c'est le seul criminel à pas qu'à jouer. Capricieux tu vois, capricieux tu vois, capricieux tu vois, c'est le seul criminel, capricieux tu vois, c'est le seul criminel, capricieux tu vois, c'est le seul criminel, capricieux tu vois. Et diable à des voyous, et diable à des voyous. C'est criminel à partager. Matière primaire,
Le Bakou ou quoi? Mais nous jouons au palais. Le Bakou nous mettons à la valeur sur le débat. Par contre, une de ces marches arrière, votre team, je dirais que quelqu'un mange tête tout. Et heureusement, je vous le dis, il n'y a pas qu'il y ait un vote avant les généraux. Par jeunesse chez Assuria, on y a même maillot d'amour. Parce que, prenez-nous la vérité, jeunesse par là, il y a un front. Il y a un front. À vitam éternel, il n'y a pas regardé sur le contractuel qui trompe, sur le contractuel qui trompe, sur le contractuel 3 mois, 2 mois, nous allons au combat. Alors, tout ça, qui est des documents appropriés, que contractuel en moi, que contractuel tiroir, 3 semaines, que congé annuel, que d'après-midi ou de nuit, reprime, et puis portez-le là, Banatia. Portez-le. Parce que, je dis à nous capables là, et il y a quelqu'un confirmé, je bien dit, nous avons trop appels de collègues qui traumatisent maman. C'est qu'on a bien traumatisé. Et ça, inconcevable, faut nous rappeler ça tout partout. Les collègues ne peuvent plus. Et plus jamais ça au CHU. Plus jamais ça. Alors, il y a pas de temps, tiens, passons. Nous calmons sur la couleur. Bah, entreprise sécuritaire, il a. Pas monter mon cri en côte, non. Pas monter mon cri en côte. C'est un annonce pour gamasser. Société vigilante, pas monter mon cri en côte. Pas mis en côte ici encore. Pas mis ça, ça finit. Ça finit. Parce que. Et mon capable là, mon capable est à moi, pour qui? Et mon commencé à travailler, il dit moi, je travaille, pas encore remarqué, pour pas de problème. Et bien c'est ça m'a fait. Mais sauf que mon caractère, je n'ai pas gardé mon machin avec moi, mais au niveau de travail, je n'ai pas de défaut dans mon sang, je n'ai pas de temps. Bonjour, bonsoir. Travail m'a fait. Mais je n'ai pas gardé des pièces directes, mettez caca en train de moi. Ça qui fait là, M. Garel pas mérité de rester pièce jeunesse la vie, pièce élève, pièce remplaçant, personne, tout le monde c'est monde, mais ça fait là, ça il a dit mon téléphone à M. Lapignon, on m'a forcé la main. Et bon, pas qu'à forcer la main, moi. Bon, pas qu'à forcer la main, c'est trop facile. Moi, esprit aujourd'hui, là, qui Garel, qui Vicker, qui Cazel, il a mis ça en la main, vous savez, fait là. Cazel, moi. Gazé comme nous, gazé tout le monde, gazé bébé, gazé consultant. Et puis le plus dur, c'est empêcher nous d'entrer pour que nous soyons le peuple là. Si vous voulez que nous pètons un mot à nouveau, vous savez, ça va pour devant. Alors, vous pouvez attendre les personnes qui ont senti, pour ne pas nous, contre notre vie qui était sorti à l'heure, mais les pédagogues, qu'est-ce que nous avons fait, c'est le résultat tribunal là. Peu importe ça qui est sorti, faut de nous mettre mobilisés. Faut de nous mettre mobilisés. Peu importe le soutien tribunal là. Faut de nous mettre compact. Faut de nous mettre soutés. Nous pas qu'à lâcher en maille. Vaccinés, nous vacciner. Pas de division. Nous qu'à mettre frères, nous qu'à mettre familles, nous qu'à mettre amis. Le parlement qu'on a gagné, allez faire ce que vous pensez, moi. J'en dis jour, on parle de nos mailles. Comme maman a vacciné, pas qu'à lever ma mère, ou pas qu'à lever ma poumé, ou pas qu'à passer quoi en feu. Alors, comme moi, cousine m'a pas vacciné, je ne pas qu'à lever ma tête, je m'appelle pas qu'à lever bonjour, parce que nous vacciné. Alors, il ne faut pas le faire tout pareil, et Manine, tout pareil, tout dans toutes les crèmes, il n'est pas vacciné, il ne faut pas le faire tout. Mais qu'on s'est mis à la rame, qu'on s'est mis à nous, les pères forcés coloniales, M. Macron, et puis monsieur le fameux Farian, Olivier Farian, le sinistre de la santé. C'est même un ministre, un sinistre de la santé. Il n'y a qu'à tenir ce peuple-là. Mais nous préférons que ça, nous pas peur. J'ai dit, je lui montre les amis. C'est lui qui est lui, mais c'est vous
mettre en place. C'est nous. Nous sommes là, c'est nous. Alors, je vais vraiment me donner la parole. Moi, il y a un autre parti qui est là. Si des gens qui ont la parole, je vais gagner. Ça, qui donne la parole, je n'y peux pas. Papa, Lisa, Manala, Ishtaya, Afam Chok, Afam Kibout, et Afam, gouvernement, l'État français, toute l'économie, et c'est effacé dans les réseaux sociaux. Mais il est là, et puis toujours là. Nous, papa, il fallait appuyer, pardon. Chers collègues, bonjour. Alors, je ne sais pas qui est mon voyage. Mais je vais voir mon famille, moi, dit, moi, mettez comment, stand-by. Je vais devenir vulgaire. Hein. Ces gens-là, montrez-vous un visage découvert. Venez me parler et venez me dire de me taire. Sinon, allez coquer mon manzo. Parce que mon père est là. Mon père est là parce que les libéraux, je représente, je suis libérale. Nos collègues se sentent seuls et isolés. Parce que nous n'avons pas comme vous un endroit où on peut faire le pied de grue. Nous n'avons pas un endroit comme vous, nous n'avons pas un directeur d'établissement à qui nous pouvons nous plaindre. Nous avons l'ARS direct au-dessus et ces gens-là sont aveugles, ces gens-là sont sourds, ces gens-là ne parlent qu'avec des textes de loi et ne nous écoutent pas. Donc les collègues libéraux qui m'entendent, vous n'êtes pas seuls, ne restez pas seuls, vous n'êtes pas isolés. Vaccinés, non vaccinés, nous pouvons en tout cas nous entendre sur le fait que la pression qui est exercée sur le personnel soignant aujourd'hui, ce qui s'est passé en plus vendredi sur le CHU, est inadmissible et ce n'est pas normal. On peut au moins s'entendre sur ça et il faut rester soudés. Il faut rester soudés parce qu'aujourd'hui, les soignants sont pris en grippe quand l'année dernière nous étions applaudis. Maintenant, c'est les enfants dans les écoles. Depuis qu'il y a un Covid, il y a fait mes classes là. Et bien, il y a demandé tout petit moment à FTSPCR. Vous vous rendez compte de la torture que de demander à des enfants de mettre des cotons-tiges dans leur nez. Mais ces gens-là ont un problème. Est-ce nous qui avons quitté ça fait un pays noir? Les Français pliés, la France pliée. Est-ce nous qui avons plié? Non, nous ne pouvons pas plier. Non, nous ne pouvons pas calager. Parce que ça, nous, les fait, c'est pour protéger la population noire. Il n'y a qu'à annuler toute animation, tout tour, il n'y a qu'à faire entrer Transat Jacques Fab pour dire nous que nous qu'à mettre en place conditions sanitaires. Qui m'a dit les bateaux qui arrivent en bas des cloches? Qui m'a dit nous qu'à faire? Qui m'a dit qu'on s'est fait arriver à huis clos? Ce n'est pas que des bateaux qui rentrent, il y a des gens qui rentrent aussi pour voir l'arrivée de cette Transat. Et est-ce qu'on va accepter ça? Les mamans là, ce n'est pas normal. Il n'y a pas l'as pour nous pour des couillons. Qui tient nous qu'à lever que nous? Qui tient nous qu'à élever? Qui tient nous qu'à réveiller? Il faut que ça arrête, il faut que ça finisse ici. Ils n'ont pas soigné les mounins ici. Là. Nous faisons ça nous paie en tant que soignants. Nous aller vacciner, pas vacciner, Covid, pas Covid, symptôme, pas symptôme, nous allons travailler, sortes allons travailler, nous allons travailler, nous allons, nous t'es là. Je dis, hein, c'est les gendarmes, c'est les bleus qui ont voyé les nous. Et ça, ils ont montré la France, c'est que les gendarmes qui ont empêché des soignants de rentrer, travailler dans l'hôpital. C'est nous qui les oppresseurs actuellement. Non mais c'est du n'importe quoi. Donc mon cas compte sur les autres aussi pour rétablir la vérité de ça. Parce que les manques attendent les groupes là, mon cas dit, ah, les soignants qui ont goûté pour être travaillés, ils quittent l'hôpital à tomber, et puis quitter ça tomber. Mais non, nous là pour protéger la population, nous. Parce que nous aimons ça, nous qu'a fait. Nous aimons ce travail, nous. C'est pour ça, nous là, je dis. Ah. Parce que si nous avons quitté tout ça tomber, tout le pays qui apprend la vol, toute liberté qui apprend la vol. Et puis après, qui sait, ok, dit nous, à ce pas ça y est. Eh bien non, je dis à nous là, épisode. Nous là, nous cagoum, mais pas autre. Donc je reviens encore une fois sur les libéraux, les collègues, vous n'êtes pas seuls. Quand il y a des mobilisations comme ça, venez, rejoignez, soutenez vos collègues hospitaliers. N'oubliez pas d'où vous venez. Parce qu'avant d'être libéral, nous sommes aussi passés par l'hôpital. Nous sommes passés entre ces murs. Et nous ne pouvons pas récemment laisser nos collègues comme ça. Nous avons le droit et le devoir de venir les soutenir. Vacciner, non vacciner, d'accord ou pas d'accord. Ce qui s'est passé vendredi là, c'est inadmissible. Donc les collègues, force, love, Zotochemwe, c'est ça qui capote nous, c'est ça qui poupote nous. Il faut que nous conservions l'unité à nous aujourd'hui. Là. Force les collègues. Merci, merci Lisa.
Romaï Bel, bonjour. M'entendant en radio tout à l'heure, tu dis que tu es en vague monde ici à la Minan. Effectivement, je crois que ni en vague monde. Tout simplement, les travailleurs attaqués, travailleurs caribou. Ça, c'est un premier bagaille. Qui me noie exactement, je pense que c'est un bail qui est important. Moi, tout d'abord, un citoyen martiniquais qui est dans toute lutte. Que ce soit le chlordécone, que ce soit aux côtés des travailleurs, ou toujours là. Et je vais faire partie de ces moulins qui j'ai compris qu'un camarade s'est dit que je vais commencer par les aides-soignants et puis après, je vais commencer par la sécurité sociale, la CAF. D'ailleurs, il me semble que nous, la sécurité sociale, j'ai réussi à courrier. Nous, la banque, j'ai réussi à courrier. Mais c'est la chimie, j'avais courrier par certains groupes de travail à la CTM. Donc, depuis qu'on a cassé, bon, les aides-soignants, c'est un appuyé bouton et puis tout le monde. Mm-hmm. Le bagage que je connais bien, parce que mon de formation bancaire, même si je quitté la banque pas ni longtemps, pour en les partir, en les débouchés personnels, si un bagage que je maîtrise bien, c'est l'assurance. Parce que je comprends beaucoup ça. Là, quand assis en monde, on y trois et sans bail de bénédiction connaître, pas bon le bon conseil. Et si on parle de l'un mauvais conseil, ou vend un mauvais produit dans le monde, d'un même ou l'un problème, soit l'entreprise est pactée, soit c'est vous qui avez un problème. À tel point qu'un employé d'assurance et un employé de banque, pour défaut de conseil, il va foutre des rois. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, le parallèle, il est où? L'homme du monde vacciné comme eux. Ou pas conseiller moi, ou pas quand même conseiller moi, on va dire. Bon, vous tout. On va arriver à moi demain. Ou tu vas pitié. Et puis, on va arriver à moi, manier à malaise, manier à barre, manier. Et tu te fais conseiller là. Mais non, employé au moins qui fait pas moi conseiller moi, pitié. Eh bien, personne ne va nous découvrir tout. J'en ai pour ma part. Eh bien, c'est exactement ça. C'est pour ça que mon compte passe sanitaire là. Et comme par hasard, le vaccin. C'est celle bagaille qui n'a pas assuré. C'est celle bagaille qui n'a pas de couverture. C'est celle bagaille qui est employeur, c'est que personne n'a pas de responsabilité. Mais non, là, si un bagaille bon, tu n'as pas de problème. Là, il y a assez l'autoroute, il y aura marché bon, il y aura dit, je vous assure. Pour que personne n'a pas de responsabilité au vaccin. Et il y a un bagaille, et nous avons dit, le monde, savait que bon matin, il est arrivé. Parce que moi, j'ai été les camarades de tiers syndical. Bon, vous savez comment connaître Philippe, comment connaître Nyandé, mon famille qui travaille à l'hôpital, mon famille qui est pompier. Donc, là, nous, le bon matin, nous ne pas poser nos questions, nous mettons des chapiteaux là. Parce que parking de la là, ce n'est pas parking de la CRS, là, c'est parking tout le monde. C'est un hélicoptère qui a atterri là. Mais, ma télé quand même retourner parce qu'il faut moi évacuer aussi. Parce que mon télé là, vendredi, là, ça fait. Mon télé là, aux côtés des femmes, notamment, et Magabab, ces femmes-là. Parce que ces femmes-là, nous les font cœur qu'on paye. Et ça, il faut le dire. Nous les font cœur qu'on paye. Moi, des femmes, nous les gazons, mais elles étaient debout. Malgré les gazons, elles étaient debout. Et finalement, c'est la pacte, c'est les policiers qui partent, et elles étaient là. Mais ça, moi, il y a quand même, à dans ça qui fait, parce que c'est le soir, hein, comme on a ces vidéos là. Je te dis, moi, que nous, des gens qui sont venus casser nec, mais c'est pas ça, moi, les gens qui sont venus tuer nec. Et ce que j'ai vu, je crois que ça approche nous à des années sombres. Des années sombres, excusez-moi, je m'en dis ça, hein. Des années d'esclavage. Et récemment, un Américain, George Floyd, que j'ai tué, il a connu trois CRS qui ont été, qui ont été journaux, qui ont crié, et puis. Et je m'en dis qu'effectivement, les médias, minimiser Bagaïta, les élites politiques. On va n'importe où, on va garder ce que. Mais là, c'était George Floyd. T'as dit combien de millions en arrière? Combien de politiques? Bon, gros, bleu, blanc, rouge, et tu vois, qui ça y est? Donc, ça va gagner, ma gâte, il faut pas baisser la garde. Les tirs syndicales, pas baisser la garde. Mais nous, Martiniquais, nous gavons, nous pas baisser la garde. Alors, on va gagner plus long. Le seul bagage que je dis, c'est que faut nous être mobilisés, si nous pas été solidaires, et je crois que aujourd'hui, la réponse massive des employés, des soignants, des pompiers, et tout ça, tout le monde,
pour moi qui viens supporter les étroignants, c'est en réponse de M. Garel. Écoutez. Et pour moi, je vais terminer par ça, mais pour moi, Garel, c'est vous qui parlez de la Suisse. Et je vais dire que le Philippe, maintenant, Philippe, tu es Garel, pour dire Garel, tu es le jeune ami, a arrêté de la crise. Mais Philippe, non. Je vais aller plus, je vais plus. Parce que l'on il est bien, il est capable toujours de menacer au fond. Et nous, allons effectivement à 8. Et maintenant, c'est moi, le Philippe, la première dit, Monsieur Garel, je vous donne une heure et demie pour attirer mon dame, parce que vous allez. Et ça va rater, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Donc, ici, c'est l'hôpital qui a soigné le monde. Ici, je vais penser que ce sont des étroignants conscients, compétents, qui ont guéri, qui ont soigné le monde. Ce n'est pas des terroristes. Ça m'a dit à mon gars, je t'aime, c'est Reska, pour nous couvrir, c'est là où on va chercher terroriste. Donc, nous retenons qu'on va nous parler à Dieu, nous allons passer à l'autre monde la parole. C'est ensemble nous qui connaissons, ensemble nous égards. Alors, qui s'est acquis la parole? Eh bien, on est venu parce qu'on est venu à Dieu. Ben, mon cher, l'un élu du peuple, c'est pas l'un pas élu. Alors justement, pourquoi prendre un mot à comme tu l'as dit, comme quoi nous bien connectés? Mon papa, tu n'as pas le dit ça. Parce que pour moi, ce n'est pas le plus important. Mais, et tu madame, là, on n'est pas à Pinoya là. Il y a un jeune homme vendredi qui dit, mais casse-toi. Et mon frère, ça Gilbert Couture le fait. Je dis, vous êtes au moins, vous êtes pas moins, vous faites un délit de faciès. Je dis, oui, pas au moins qu'on dit ça. Parce que c'est comme ça que ça a fonctionné. Mais pourquoi je vais faire une manifestation pour dire que je suis au conseil municipal? Parce que ce n'est pas ça qui fausse. Mais le matin, ça, tu le prends. Ça veut dire que les élus.